Un processus. Qu'est-ce? Avril 2017, ils s'étaient séparés sur un score nul en partout. Ce sont eux, les joueurs de l'Astanda, oui, qui jusque-là n'ont jamais perdu face à la SEC Limosa en match officiel avec leur nouvel entraîneur au tableau que vous avez bien aperçu face à cette équipe, la SEC Limosa, qui est désormais deuxième provisoire au classement après la victoire de la FAD d'Abidjan. Oui, les jaunes et noirs voudront forcément reprendre leur fauteuil de leader à l'issue de cette 8e journée de Ligue 1 ivoirienne. Oui, il y a Arnold, il y a une équipe qui a un besoin impérieux de points, c'est l'Astanda et puis la SEC qui déroule. Voilà, la SEC Limosa qui déroule et l'Astanda qui est en difficulté en tout cas pour ce début de championnat. Regardez ce qui se passe au niveau du programme de cette 8e journée de notre championnat, de votre championnat. A noter bien que le stade d'Abidjan était face à la SOA, 2-0 pour les stadistes. L'USC Bassam a été tenu en échec en 1-0. L'USC qui n'est pas passé loin d'une victoire, mais le WAC encore est revenu à la marque en fin de match. Et puis Sporting Club des Gagnois, Africa Sport, c'était le gros choc d'hier samedi, victoire des Gagnolais 4-2. Bouaké FC s'est imposé en 1-0 face à Mont, sous belle dynamique de Bouaké. Et on dira à SEC Limosa, Astanda, ce sera dans quelques instants seulement. On note la victoire de la FAD d'Abidjan face au FC San Pedro. Les Afadistes se portent bien. Regardez au niveau du classement, ils sont leaders. Ah, ils sont leaders, l'équipe de la FAD. On dira provisoirement, hein, en attendant le match de la SEC Limosa. Et la SEC qui est classée deuxième provisoire également. Bouaké troisième avec un match en moins. Le Sporting Club BE de Gagnois réalise la belle opération, quatrième avec 15 points dans le bas du tableau. Ça ne se passe pas bien pour le COE et la SOA. Ah oui, la SOA et le COE qui sont bon dernier de notre championnat. Allez, on va s'intéresser à notre match avec des joueurs qu'on a bien voulu sélectionner pour vous, qui sont, t'as bien observé, c'est Touré Ahmed, venu du championnat ghanéen, colosse attaquant de la SEC Limosa, véritable sensation à découvrir hein, dans cette équipe des jaunes et noirs. Il y a également Foncinho, lui, Yao Kwame Alphonse, le petit frère à Gervinho qui a été virevoltant pour les jaunes et noirs face au FC San Pedro. Il n'est pas que le petit frère de Gervinho, il veut se faire un prénom dans le championnat ivoirien. Il a bien commencé, c'est le détonateur de cette équipe de la SEC Limosa, donc un joueur très 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 intéressant à suivre. Et de l'autre côté, c'est Akai Sissa Baudelaire, venu cette saison du COE Sport de San Pedro. Il a toute son expérience, il voudra forcément s'imposer enfin avec l'Astanda. Ah oui, c'est un véritable couteau suisse, hein, un joueur multifonction, il peut jouer au milieu, il peut jouer devant. Très bonne vivacité, un joueur qui sera à suivre pour cette équipe de Tanda. Et comme lui également, Kwasi Ongoron Joël est à suivre avec l'Astanda. Deux joueurs à suivre dans ce match. On va résumer à côté à cette Limosa, Touré Ahmed, Foncinho, côté Astanda, Ongoron Joël et Aka Essis Baudelaire. On la retrouve tout de suite à la sortie de vestiaire. C'est grâce à Libé avec Zachary Hassen, nouvel entraîneur de l'Astanda. 4 défaites, 3 nuls, triste bilan pour le double champion en titre qui court encore après son premier succès. Coach, face à la SEC, obtenir ce succès va être dur. Bon, c'est un match difficile contre la SEC, c'est comme ça. Tous les matchs championnat, c'est difficile. Difficile, c'est parler français, c'est très difficile. Alors, après le nul obtenu face à Bouaké, qu'est-ce qui va faire que ce soir, l'Astanda va avoir un meilleur résultat? Non, changer trop, hein. Changer beaucoup. Aujourd'hui, c'est victoire seulement. Comme ça, pour moi. Merci, coach. Voilà, donc, la victoire, il faut tout changer à l'Astanda parce que c'était difficile. Il veut tout simplement résumer. Alors, il faut tout changer, essayer de regagner le goût de la victoire. Oui, il a résumé, même si, comme il a dit, hein, le français, c'est pas la langue qu'il maîtrise le mieux. Dans un langage footballistique, parce que c'est le langage qui se parle partout dans le monde, il faut gagner simplement. C'est la situation de l'Astanda résumée en deux mots. Voilà, ils sont là, les supporters jaunes et noirs, pendant que les 22 acteurs effectuent leur sortie dans les vestiaires de
à du stade de Félix Sofoguani. Vous êtes bel et bien en Abidjan, capitale ivoirienne, en plein cœur du plateau, commune administrative hein, de la Côte d'Ivoire. C'est ici que les éléphants de Côte d'Ivoire évoluent quand ils ont des matchs. C'est ici qu'ils ont été malheureusement éliminés par les Lions de la Place du Maroc. Oui, malheureusement, c'est ici même, hein, dans ce chaudron, dans cette cuvette bouillonnante que l'équipe nationale s'est fait éliminer, malheureusement, pour la Coupe du Monde. Et c'est ici que ces deux équipes se saluent, nous saluent et vous saluent, chers téléspectateurs, à qui nous souhaitons faire vivre toutes les émotions de ce match. La SEC qui cartonne hein, sur cette pelouse-là, qui se sent bien. Ah oui, la SEC, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont démarré de manière très poussive ce championnat-là et puis ils ont retrouvé petit à petit leur vitesse de croisière et puis là, la SEC déroule. Les Genevois qui s'étaient imposés pour la dernière fois ici, c'était face au stade d'Abidjan, 5-0. Alors qu'on jette un coup d'œil sur ce qui compose à l'équipe de la SEC avec Sissi Abdou Karim dans les perches, Alphonse Foncinio, entendez par là, Touré Ahmed, la grosse sensation, la grosse découverte venue du championnat ghanéen et Kovlan Agbenyadan, le buteur togolais. Ah oui, le buteur togolais qui nous avait illuminé de tout son talent lors du match dernier. Et c'est un joueur très 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 intéressant pour la SEC d'Abidjan. Il prend les espaces, il est rapide, il est vif et il a un très bon jeu de tête aussi. Rassurez-vous, c'est le seul visage que vous ne voyez pas au niveau de la compo, mais vous le verrez sur le terrain. C'est aussi ça le suspense que nous souhaitons mettre autour de ce match entre jaune et noir et jaune et bleu. On vous dira également pourquoi la Standard est en jaune et bleu, pourquoi les couleurs sont jaune et bleu pour la Standard, quelle histoire il y a. Alors qu'on voit tout de suite M. Assi Yapi, assisté de M. Kanga Gabriel et M. Kofi Kofi Mikael, les arbitres de ce match. Diakité sera dans les perches de Tanda. Lui, il est international burkinabé, deuxième gardien de l'équipe nationale du Burkina. Et à la pointe de l'attaque, ce sera le seul Sida. Ah oui, Diakité, hein, c'est une tradition pour ce pays frère-là qu'on ait comme ça des joueurs importants dans Burkinabé dans notre championnat. Voilà, ça montre bien les relations très amicales que ces deux pays-là ont tissées au fil des années. Allez, c'est un véritable match ouest-africain auquel on va assister sur les antennes du groupe Canal avec l'international togolais Kovlan Agbenyadan, avec également lui, Zakaria Hossein, qui pour la première fois sur le banc de touche de Tanda voudra absolument gagner. Ça fait du bien quand on gagne pour sa première. Ah oui, ça fait du bien, ça booste aussi l'équipe. C'est très dur en ce moment pour le moral pour la Standa, donc une victoire serait très bien. Et Amaliyao qui veut bien poursuivre sur sa lancée. Lui, ancien international ivoirien et ancien joueur de la SEC Mimosa, ancien joueur également du grand rival à l'Africa Sport d'Abidjan. Ouais. Il avait été révélé au Rio Sport d'Anyama, à Maliyao. Un joueur racé, technique, très élégant sur le terrain. Pour moi, ça a toujours été un modèle de football. C'était en Zinedine Zidane, en miniature, à Maliyao. Oui, on va dire. Alors que le coup d'envoi est donné ici, en plein cœur d'Abidjan, au stade de Félix Sofoguani pour cette belle affiche, comptant pour la 8e journée de la Ligue 1 ivoirienne entre les jaunes et noirs et les jaunes et bleus. Les joueurs de la SEC Mimosa qui tiennent pour cette entame de match le ballon. Sissi Abdou Karim, le long dégagement de l'international ivoirien, c'est pas bien repris par Alex Obondi et ça peut sortir. Touche pour les étoiles du Zanzan. Ah oui. Nicolas, c'est que n'est pas encore entré dans le match. Oui, on fait. Perte de balle comme ça l'entame. L'entame, ça donne aussi un signal à l'adversaire. Donc on espère que tout cela sera corrigé tout à l'heure. Et ça peut partir pour Tanda derrière. Quadio Pacum a pour Diakité. Alors dégagement, ça peut revenir. Attention à la défense de Tanda qui va un peu se mélanger. Brito Dagou qui finira par ressortir le ballon sous la pression du colosse Ahmed Touré. Ouais. C'est lui Ahmed Touré, c'est lui le nouvel attaquant de la SEC Mimosa, l'Ivoirien Burkinabé. On le voit, il est très costaud et l'impact tout de suite sur
Brito Willy qui est resté un moment seul. Et donc, petit changement hein, quand il arrive à mettre tourner, c'est Aguignanon comme nom qui passe sur le côté. Oui. Tout de suite, hein, c'est la conséquence hein, pour Comlan. On verra comment il se comportera sur ce côté-là. Platini, Aguignanon avec Mathieu Bagnon, repris en plein milieu de terrain par Aquame Kwaku Romeo. La bataille à Kwanda Suleiman à l'autre Burkinabé de cette équipe de la SEC Mimosa. Et Foncilio qui mettra la pression, mais c'est bien sorti par la défense des étoiles du Zanzan. Diekoura qui ne passera pas, mais ça peut revenir avec Wadio Pacom. L'accélération d'Akai Sisbaudelaire, voilà comment il peut lui aussi apporter quelque chose à cette équipe des étoiles du Zanzan dans la surface. Mais c'est la poitrine d'Alexandre Bongui qui retrouvera ses chiens de Karim. Ah oui, très intelligemment joué hein, de la part de Bongui qui trouve son gardien hein, de la poitrine. Et Koulibaly, Diekoura, victime d'une faute. Si en position de hors-jeu signalée d'Ahmed Touré. Oui, Ahmed Touré, hein, qui faut qu'il revoie son positionnement. Il a été pris tout à l'heure bien de l'heure. Deux joueurs cette saison qui est jaune et noir, habillés en blanc et noir ce soir, venu du championnat ghanéen. Aguignanon Comlan venu de Wafa du Ghana et Ahmed Touré venu de la Santé Côte à Côte. Ça combine bien pour les étoiles du Zanzan. Il est passé presque, c'était un grand Kwasi Joël. Mais il va se faire reprendre par la défense des jaunes et noirs. Oui, Ngoran Kwasi Joël hein, qui avait tenté cette percée là dans le cœur de la défense des Mimo. Heureusement que Kwanda était là pour l'arrêter. Est-ce que ce sera le match de la première victoire de l'histoire de la SEC Mimosa face à la Standa? Est-ce que le signe indien sera vaincu? Est-ce que Tanda maintiendra toujours le suspense face à la SEC Mimosa? Ben, tous les éléments concordent, voilà une faute là-bas. Tous les éléments concordent hein, pour que chacun ici au stade du Fouet-Boigny ou tous ceux devant leur téléviseur donnent la SEC gagnant parce que voilà, le moment est favorable. La SEC est sur une bonne dynamique alors que Tanda est un peu sur la pente raide. Mais jusque-là, c'est un peu timide pour les Mimos. Qui peuvent pourtant bénéficier d'un coup franc qui sera emmené par l'international togolais Platini. Et la surface de réparation, Foncilio, Touré, Amel, Barési, tous les géants sont montés. Le coup franc de Comlan et Aguignanon, la tête de Pacom et la frappe à derrière de Foncilio. Encore Foncilio dans la surface, mais il y aura une faute sur le défenseur de la Standa. Ah oui, une faute. Voilà, on revoit hein, la petite poussette là-bas du milieu de terrain de la Secunda au Mohamed sur le défenseur Touré Benhamé. Touré. Avec Kwaku Romeo. Il peut revenir derrière. Diekoura. Il aura beaucoup de difficultés, Diekoura, face à Foncilio qui n'a pas encore a gagné toute sa fulgurance, hein, Bonaventure, dans ce match, Foncilio. Oui, c'est un joueur qui a besoin d'un peu de temps, hein, aussi d'espace. Et là, le match est... La prise de risque de Barési. Et on peut bien lancer Akaïsis Baudelaire. Il est en champ devant lui. Akaïsis face à Kwanda Suleiman. Il va chercher un partenaire à se retourner. Ah, qu'est-ce que c'est mal joué de la part d'Akaïsis. Très, très, très mal joué Akaïsis qui ralentit l'action hein, au lieu de continuer d'aller chercher là-bas le 1 contre 1 avec le seul défenseur Kwanda qui était là. C'est aussi ça hein, pour un attaquant dans ces moments-là, il faut prendre des risques. Voici un ballon bien repris par Samake qui peut retrouver Mathieu Bagnon. Il aura des difficultés pour prolonger ce ballon alors que ça peut aller vite côté Astana également. Joël qui a lancé à Kaïsis Baudelaire, il peut frapper la frappe d'un cœur. Et c'est capté par Assissé Abdoul Karim. Voici la première alerte de ce match. C'est signé. Bien sûr, Silla.
bon ballon hein, de Angoran pour Silla qui en une touche frappe du gauche. Heureusement que Silla était là. Sissé Abdoukar était sur la trajectoire de ce ballon. Ah, c'est allé vite. La standard, on ne voit aucun complexe face à l'équipe qui était jusque-là leader de ce championnat. Mais il n'y a aucun complexe hein, à avoir. Ils ont un besoin, comme je l'ai dit en intro tout à l'heure, ils ont un besoin vital de points. Les joueurs de l'AS Standard, il y a un nouvel entraîneur qui est là. Il faut surfer sur cette dynamique-là pour pouvoir revenir dans la course. Diomandé à Benervé, celui qui a effectué son retour chez les Jeunes Noirs cette saison lors du coup franc. Le ballon levé de Diomandé et ça va être ramené par la défense. On l'avait vu presque en train de se diriger vers les cages de Diakité. Andao Lamine, on sent hein, qu'il n'y a pas encore de mouvement côté Jaune et Noir, on fait beaucoup de ballons. Oui, c'est très emprunté, hein, les passes. Comme Laura Peignadon, il a des jambes pour faire la différence. Aura-t-il un autre coup franc Platini, non, il n'aura pas de bénéfice. Ah oui, il y avait effectivement faute, hein, la bronca du public, des actionnaires qui sont présents, les supporters de la SEC Mimosa. Tiekoura avec Yaka, Bakam Kwasi, pour son capitaine Brito. Il va tenter de lancer Silla, mais c'est un ballon trop profond. Oui, très mal joué. Hein. C'est quand un défenseur cherche à faire la passe décisive. L'attaquant qui fait un appel, il faut lui mettre dans les pieds au lieu de mettre un ballon comme ça en cloche. C'était mission impossible pour Silla Sidiki. Les Jolis Noirs qui n'ont pas encore inquiété cette équipe de Tonda. Le match n'a pas encore gagné hein, en vitesse et en accélération. En tout cas pour le champion titre de Côte d'Ivoire, on voit bien beaucoup de déchets en cet entame de match. Oui, beaucoup de déchets. Comme je l'ai dit, l'équipe me semble très empruntée. On voit très peu le nouvel entrant, ce numéro 8 là, Nyangon Badié Anissé, alors que c'est lui qui est censé être le métronome, donner des bons ballons à ses attaquants. Brito pour les étoiles du Zonzan, il peut filer Brito pour retrouver Yaka. Ce sera désormais Bakom Kwasi pour Tiekoura. On peut lancer Roméo Kwaku qui lui va coulisser pour Silla. Il va se faire rattraper par le colosse burkinabé, Kwanda Suleiman qui lui gagnera son duel, l'international burkinabé qui s'impose. Ah oui, Kwanda Suleiman hein, qui avait mis son corps en opposition, on le voit bien, et là, c'est difficile là, qui tire le maillot, qui fait une poussette sur l'épaule, donc voilà, faute sifflée à Justine par la défense. Suleiman Kwanda qui lui gagne presque tous ses duels, en tout cas. À 100%, il les avait réalisés lors de ses derniers matchs. Il est à sa première titularisation. Oui, qui est un élément incontournable hein, de cette défense-là la saison dernière. Et qui, voilà, petit à petit a perdu sa place et qui la retrouve aujourd'hui. Donc, voilà. Avec c'est dû aussi hein, à la suspension de. Nakassou Koutouan, voilà. Le capitaine des Jaunes et Noirs, par là ce soir. Voilà. Roméo Kwaku, avec Joël Parisi, va ramener Agbenyadan Platini, et qui peut accélérer. Face à lui, il y aura bien sûr la présence de Thiégué Ignali. Agbenyadan Platini, il peut fixer Platini, garder le ballon. Et inverse voilà. Le jeu par Foncinho. Intelligemment. Hein. Ça peut partir en vitesse avec Foncinho. Le centre de Foncinho ramené encore une fois. Foncinho à l'attaque, il peut pousser. Il peut retrouver Diomandé. Andao. On va lancer Badié. À sa suite, pour retrouver Platini. Par un centre. Et ce sera le corner, le premier pour les Jaunes et Noirs. Ah oui. Corner
une action hein, où on a vu Fonsigno se battre comme un beau diable pour récupérer un ballon. Et c'est ça aussi l'état d'esprit. On revoit, hein, il tacle bien ce ballon-là. Et c'est ça aussi l'état d'esprit qu'il faut avoir pour gagner ce genre de match. On sent que ça va aller vite à Kalou sur les côtés entre Fonsigno et Platini. D'ailleurs, lui sur le corner, Platini mal repris par Ndao. Il va tenter de sauver le ballon, non, qui sortira finalement en touche. On a mis deux accélérateurs sur les côtés, deux hommes vifs, Platini et Fonsigno. Ouais. Platini et Fonsigno, hein, mais je pense que Platini, c'est plus un joueur d'axe pour moi qu'un joueur de côté. C'est sur les qualités qu'il nous a laissé entrevoir lors du match précédent, où il marque un but de la tête. C'est plus un joueur d'axe pour moi. Voilà. Et celui qui est dans l'axe de cette attaque des Jaunes et Noirs, Ahmed Touré, rassurez-vous, c'est le chouchou du public ghanéen. Il s'était fait aimer de ce public-là, surtout les supporters de la santé, parce qu'il était très adroit là-bas, réaliste devant les buts. Ahmed Touré, l'Ivoirien burkinabé. Ah oui, sur ces premières minutes-là, on peut tout de suite affirmer sans se tromper que c'est pas le joueur le plus spectaculaire qui nous sera donné de voir, mais c'est sûrement un joueur adroit, efficace devant les buts. Oui, voilà. Également, il est colosse, il est présent. Silla, il se retourne bien. Encore Aka et Six Baudelaire avec Pacom Kouassi. Il veut bien garder le ballon et revenir à Tiekoura. Ce sera finalement Touré qu'on va retrouver. Pas comme Kouassi qui revient à Touré. Les étoiles disons qui gardent le ballon pour l'instant. Empêchant les jaunes et noirs d'être dangereux. Ah oui, ils prennent l'initiative de garder le ballon, de ne pas le perdre trop vite au profit de la SEC. C'est intelligemment joué. Hein. Cette tactique mise en place par Zakharov. Oui, c'est sûr que ce match va s'enflammer. Quand on connaît l'ossature offensive des Jaunes et Noirs, c'est l'équipe qui pour l'instant marque beaucoup de buts dans ce championnat, qui a le plus grand nombre de buts. Pas comme Kouassi avec Kaka. Silla va-t-il faire la différence pour frapper face à Kwanda Souleymane? Vous avez parlé de lui encore. Un duel gagné par l'international burkinabé. Fonsigno qui tente de faire la différence face à Tiekoura et Stopinette. Ah oui, il avait tenté là de faire le tour de Tiekoura en laissant passer ce ballon-là. Il y a une faute. Du goal différentiel de la SEC dans ce championnat, c'est plus 10 pour l'instant en moins de 10 journées pour les Jaunes et Noirs. Ouais, une armada offensive hein, avec Fonsigno, avec Agbeyadan ce nouvel arrivant qui est Touré Ahmed qui saura en l'espèce pour lui se mettre au niveau de cette coéquipe. Fonsigno qui va lancer Alexandre Bondy. Face à Tiekoura, il peut centrer un body. Il y a Touré Ahmed et c'est dedans. Touré Ahmed, première action de l'Ivoire au Burkinabé. Premier but. Touré Ahmed pour son premier match en Ligue 1 ivoirienne. Marque son premier but. Touré Ahmed pour sa première apparition en championnat de Côte d'Ivoire. Inscrit sa première réalisation. On vous parlait de ce chouchou du championnat du Ghana. On vous parlait du suspense qu'on gardait sur ce visage. Vous l'avez enfin avec un but. Touré Ahmed, je signe 1-0 pour les Jeunes Noirs en cet entame de match. Ah oui, mais quelle merveille de centre hein, d'Agbangui. On n'a pas besoin d'éliminer l'adversaire pour mettre ce ballon-là au point de pénalty pour son attaquant. On revoit hein, ce ballon de Fonsigno pour Alex Agbangui. Là, merveille de centre et la tête. L'équilibre est parfait, le timing aussi. Et là, il met une tête imparable pour donner l'avantage à la SEC Mimosa. Le gardien n'a même pas bougé, Diakité. Elle n'a même pas
a branché. Ah ouais. Pas du tout, il était resté scotché sur cette tête de Touré Ahmed. Enfin buteur pour son premier match en Ligue 1 ivoirienne. Ah lui qui avait prédit être une sensation véritable dans ce championnat. Et il le fait bien. Je le disais tout à l'heure, c'est pas un joueur spectaculaire, mais... Allez, ça va vite avec un cœur Touré Ahmed qui peut garder le ballon. Il avait une autre opportunité sur le côté gauche. Mais Onda Olamine va retrouver Platini. Le passement des jambes de l'international togolais. Platini il est passé et il va obtenir le corner. Voici que le match qui passe à une vitesse supérieure, le match qui a gagné à une fulgurance impressionnante. Oui, c'est normal aussi. Après un but, le match est beaucoup plus ouvert. On va assister certainement à une réaction de l'AS Standard, mais qu'est-ce que c'était bien joué. Badier Bagnon s'est joué à la Rémoise avec Anda Olamine, le centre de Badier contré à partir Gueye, à celui qui se fait surnommer Nesta. Il ne laissera pas du tout passer Badier. Le coup franc pour les étoiles du Zanzan. Avec le coach Fabrice, coach, vous attendiez forcément de voir la prestation de Touré Ahmed et c'est fait, il a marqué un but qui a changé la configuration de ce match. Oui, le but a changé la configuration du match parce qu'aujourd'hui on a fait une équipe de l'Est Standard qui tient bien le ballon. Nous d'abord on cherche à défendre groupé, on cherche à défendre ensemble et puis après installer notre jeu. Le jeu de la SEC est basé sur la position du ballon. Aujourd'hui l'Est Standard là, mais après il faut remédier à cela, il faut vraiment les presser. Récupérer vite le ballon pour pouvoir asseoir notre jeu. Je pense que c'est ce qu'on essaiera de faire dans les minutes suivantes. Merci. Mais ça peut aller très vite avec Roméo, Kwaku, le crochet, passement des jambes, il peut frapper Roméo. Et ça va passer juste à côté. Voici également la riposte de la Standard, même si ce n'est pas cadré. C'était quand même dangereux. Et c'est signé Roméo Kwaku. Ah oui, Roméo Kwaku, hein. Passement de jambes. Mais là, sur cette action-là, il faut qu'il cherche le deuxième poteau là-bas, la lucarne opposée. Malheureusement, il frappe de manière timide et c'est pas sur ce genre d'action-là que l'AS Standard mettra en difficulté si c'est Abdoul Karim. Mais Derby dans les airs, Louis Todagou qui va ramener le ballon et ce sera un coup franc dans le rond-point central pour les jaunes et noirs suite à ce contact sur Silla. Ah oui, contact qu'on va revoir sûrement. Dans le duel à Orion. Tiekoura. Il y aura du mal, Tiekoura face à Poncilio. Il passera finalement pour retrouver Roméo Kwaku. Tiekoura, l'intervention rigueuse, l'autorité de Diomandé à Melhervé. Lui qui monte sur cette action-là que voilà, la SEC certes mène, mais. Elle y met aussi du combat, de la volonté en phase défensive. Brito. Pas comme Kwasi. Roméo Kwaku. Aka. L'appel de Tigui. Non, il va mieux de jouer avec Joël. Brito, pour Joël à nouveau, il va tenter le crochet, il est passé Joël, pas pour la deuxième fois face à Badier. Et Diomandé va retrouver Foncilio, il peut accélérer Foncilio, il a fait la différence face à Tiekoura. Foncilio va envoyer un centre à Diomandé, c'était à Touré Ahmed, mais c'est ramené à Brito. Bonne lecture de Brito et bonne sortie de balle. Ouais. Foncilio hein, qui avait... d'un contrôle orienté, éliminé, mis dans le vent Tiekoura. Et la suite de l'action, malheureusement, n'a pas été à la hauteur de son début. Badier passe à l'aveuglette de Badier pour Diomandé avec Foncilio maintenant. Encore un coup de bras de Foncilio. Et il est presque en train d'enflammer ce match. Avec Badier désormais dans le couloir droit. Face à Tiekoura encore, qui aura beaucoup de difficultés. Le centre de Badier pour renverser complètement le jeu avec Platini. Désormais, Samaké, Platini encore. Andaro pour Platini. Le petit ballon touché de Platini qui va obtenir le coup franc.
Les jaunes et noirs mènent 1-0 et déroulent bien. Ah oui, mais surtout, ils ont la possession du ballon, ils sont les plus dangereux. Voilà, on le voit, hein, la charge de Brito Willy sur l'attaquant togolais. Voilà, cette action aurait pu lui valoir au moins un carton jaune. Oui, au moins un carton jaune parce qu'il était en retard. Il avait quand même laissé traîner la jambe. Sous le regard de Zachary Hassel, certainement en train de penser à l'astuce pour éviter la défaite. Le regard inquiet de Zachary Hassel, véritable charge de Brito Willy. Il aurait pu faire mal, il lui a fait mal un peu, hein, mais ça aurait pu être un peu plus grave. Et lui, il est tibien. Ahmed Diomandé Hervé, il avait marqué comme ça. Face à l'Africa. Face à l'Africa Sport, c'était un super coup de Côte d'Ivoire. Calou. Un somptueux coup franc, je m'en rappelle encore. C'est pas très loin, c'est presque la même physionomie, même si face à l'Africa, c'était un peu plus axé. Je pense que oui, un peu plus dans l'axe quand même, et un peu plus proche aussi de la surface de réparation. Et le regard de Diakité, le portier burkinabé. Quelle sera sa réaction sur ce coup de pied arrêté, sur ces poulets de canon de Diomandé Ahmed Hervé, véritable maître à penser de cette équipe des jaunes et noirs, également maître à la baguette. Monsieur Assis qui a mis de l'ordre dans la défense, dans le mur des étoiles du Zanzan. Et c'est Touré Ahmed qui va lever le ballon. C'est pas passé loin. Alors qu'on attendait Ahmed Diomandé, ce sera l'autre Ahmed Touré qui va emmener ce ballon-là, qui montre également ses qualités de frapper le coup franc. Oui, je pense que le gardien avait jugé de la trajectoire du ballon. Il savait que ce ballon-là n'était pas cadré. Et il n'y est pas allé. Mais c'était pas mal frappé de la part de ce nouvel attaquant de la 7 niveau. Pas comme quoi si. Tiekoura qui peut revenir à sa défense, pas comme Kwasi avec Brito désormais. Akaïsis qui est venu chercher le ballon derrière. Alors que pour moi, le problème de l'AS Panda, c'est pas plus dans la possession de balle, c'est comment faire mal dans la zone de vérité. Il n'y a que le seul attaquant, hein, Sila Sidiki, qui est là-bas face à deux défenseurs de la SEC et C'est vraiment compliqué au niveau offensif pour l'AS Standard. L'accélération de Platini, il a tout de suite rattrapé le ballon face à Thiégueï, mais qui fera la différence. Nesta qui s'impose défensivement face à Platini. Ah oui, il a compris qu'il ne fallait pas lui laisser de l'espace. Dès que l'attaquant togolais a le ballon, il faut tout de suite lui tomber dessus. Et voilà, là, il a bien réussi. On parlait de cette fameuse anecdote et bleu et jaune de la Standard. Notez qu'il était tout simplement président d'une des sections de le sport de la SEC Mimosa, l'actuel président de la Standard. Séverin. Ouais, Yévois Séverin, oui. Le président. Et donc, véritable fanatique de la SEC Mimosa, supporter des jaunes et noirs. Consulant aussi. Roman Abramovic. Roman Abramovic, voilà. Surnommé ainsi, comme ça. Surnommé ainsi. Alors, et pour lui, c'est une autre façon, c'est un autre ASEC Mimosa qu'on a voulu créer du côté de la Standard. Et cette dernière action illustre des problèmes offensifs de la Standard, comme je le disais tout à l'heure. Un contrôle raté de Sila Sidiki dans une zone aussi importante que l'entrée de la surface de réparation. Après, il est obligé de faire faute et la SEC obtient le gain du ballon. Francinho qui tente le contrôle, c'est un peu manqué. Alors, petit échange entre Francinho et Panda Souliman. Ils vont finir par s'entendre. Sila, ballon perdu par les étoiles du Zanzan, repris par Baptiste Bagnon. Avec Foncilio qui peut accélérer,
Foncinho, il a retrouvé Touré, Amel, c'est passé vite, la frappe de Foncinho. Et ça va passer juste à côté. Bonne combinaison en 1-2, ça a été bien effectué, bien harmonisé. Et Foncinho qui ne couvre pas le cadre, mais les joueurs noirs se montrent très dangereux. Oui, très bien joué, hein, ce 1-2 entre Foncinho et son attaquant. Et tout de suite la frappe qui aurait pu tromper Diakité si elle était cadrée. Très bien joué, hein, ça, sur cette phase de jeu-là, on a eu l'impression de voir son grand frère. Voilà, c'est ce qu'on lui demande et voilà comment il va grandir, c'est-à-dire donner le ballon quand il le faut et éliminer l'adversaire. En information, à titre d'information, Foncinho est le petit frère hein, de Gervinho, l'actuel capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Et Foncinho nous confiait il n'y a pas longtemps qu'il a envie de jouer avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ben c'est un rêve normal hein, pour tout footballeur ivoirien de pouvoir porter un coup la tunique. Ici là, avec Takam Kouassi. Il a envie, c'est normal, mais il a envie. Maintenant, c'est ce qui sort un peu de l'ordinaire. On ne peut pas non plus l'empêcher d'avoir ses rêves à lui, c'est normal. Silla, un sombrero dans la surface de réparation. Silla, un petit contact sur Silla. Il n'y aura pas de pénalty, il y aura plutôt un corner. Il y avait quand même un contact. Oui, il y avait un contact, mais qui ne méritait en aucun cas la sentence. Voilà, on revoit. Hein. Il touche le ballon, le latéral gauche de la SEC. Il n'y a absolument pas de pénalty pour nous. Pas de pénalty également pour monsieur Hassi Abdi Aristide. L'arbitre de ce match. Alors que le corner des étoiles du Zanzan sera emmené. Les jambes sont là. C'est tiré curieusement pour Akai Sisbaudelaire, très loin de porter le danger. Si un ballon bien repris dans la surface de réparation, Sissiadoul Karim va stopper net, va anticiper sur ce centre de Thiégueye. À quelle belle lecture de Sissiadoul Karim. Ah ouais, très très intelligemment joué hein, de la part de Sissiadoul Karim. Il attend jusqu'au dernier moment que le porteur du ballon se décide avant de lui prendre sa décision. Et il savait exactement où Thiégueye cherchait à mettre le ballon et tout de suite il le chute. Voilà quelle intelligence de jeu aussi de la part de ce gardien. On reverra certainement cette action, mais qu'est-ce que ça a été dangereux. Ils étaient en phase de marquer ce but égalisateur. Les étoiles du Zanzan. Ils ne sont pas passés loin, ils sont passés de justesse. De justesse, oui. Tout proche de l'égalisation. Attention à ce ballon en défense. C'est avec Touré qu'on va ressortir le ballon finalement. Et on revoit hein, le latéral gauche de la scène qui est lobé par ce ballon-là. Et là, c'est celle qui attend. Quelle passe là de Akai Sisbaudelaire dans le dos de la défense des jaunes et noirs. Ouais. Il y a une faute sur l'intervention d'Abel Touré, le seul buteur pour l'instant de. Alors ce match, il avait un peu laissé traîner la jambe. Ouais. Et Willy Brito qui est obligé hein, de sonner la charge. Sur ce genre d'action-là, monter avec le ballon, le capitaine de l'AS Standard. Alors qu'il y a un autre coup franc pour les étoiles du Zanzan, bon coup franc encore une fois. Une information qui nous était parvenue, hein, c'est André Romary, l'ex-international qui rejoint le staff technique de la SEC Mimosa. Oui. Voilà, très bonne nouvelle pour. Ce texte de cet ancien joueur de l'équipe nationale. On attend peut-être de voir Kalou. Ah oui. Mais bientôt. On est bien là en cabine de presse, non Arnaud? Et je vous assure, vous le verrez bientôt quelque part, je vous assure, je ne vous dirai pas où pour l'instant, mais vous le verrez très très bientôt et à une place honorable. Inch'Allah.
Non, c'est la Standa qui tient le ballon et qui bénéficie d'un bon coup franc. Bonne opportunité par les étoiles du Dandon. Ça va partir, contré par le but. Très mal frappé hein, ce coup franc là. Ça va revenir. Une autre frappe à contrer par la défense. Barézi était là. Mais attention, elle est en train de rêver un tout petit peu. C'est défense de la SEC. Ah oui, sur cette action-là, il aurait fallu que l'attaquant de la SEC, Touré Ahmed, dégage ce ballon-là. Il a voulu se faire un peu plaisir et ça aurait pu être préjudiciable à son équipe. L'engagement de Sissi Abdoulkarim. Déviation de Touré. Abdelion Platini n'a pas fait l'appel. Ça peut revenir par les étoiles, bon ballon pour Silla, face à Kwanda Suleiman, il manquera son contrôle, Silla, ah quel dommage pour lui, il avait pourtant une belle opportunité de fixer Kwanda. Ah oui, mais encore, il a fallu qu'il réussisse. Le centre dans le dos de la défense de la SEC Limosa, petit contact avec Diomandé Ahmed Hervé, mais c'est repris par Ndao, qui va lancer peut-être à Touré, Aïda. Le grand retour de. Le très bon retour de Touré. L'autre Touré. Lui, c'est Ben. Silla, passement des jambes. Le crochet, il est passé. Mais ce ne sera pas assez utile. Ah oui, mec. Foncinho, petit pont récupéré par Alexandre Bondy. Foncinho encore. Et pas comme Kwasi. Commettra la faute. Oui, il y avait déjà faute sur. Ce numéro 15 de la SEC Diomandé Ahmed Hervé, ensuite une deuxième faute sur Foncinho et l'arbitre qui avait laissé jouer l'avantage est revenu sur la première faute. Voilà. Samaki. Platini. Samaki pour Ndao. Qui va inverser pour Mbangui, mais ce sera trop long pour. L'ancien joueur de la FAD d'Abidjan, Alexandre Bondy, qui est à sa deuxième saison chez les Jaunes et Noirs à l'image. Oui, Alexandre Bondy hein, qui avait adressé tout à l'heure cette merveille de centre-là sur la tête de son attaquant Touré Ahmed pour donner l'avantage au Mimosa. Pas comme quoi, si un ballon dans le dos de la défense et la réaction du chat, Sissi Abdoulkarim. Un gardien très agile. Hein, sur, voilà. Oui, lui aussi, hein, international ivoirien, Sissi Abdoulkarim. Aka avec Nesta. Pas comme Kwasi pour les transmissions. Mais Touré ne sera pas assez rapide. C'est pas son fort, hein, la vitesse. Non. Brito, c'est bien ici pour Tiekoura. Le centre de Tiekoura, c'est trop fort. Mais ça va être repris là-bas par son partenaire Roméo qui ne parviendra pas de ses passements de jambes à faire la différence. Ah oui, c'était un peu emmêlé les pinceaux. Hein, et on peut voir ce ballon-là qui lui arrive dessus. Bon contrôle. Et là, les passements de jambes, ils s'en mêlent les pinceaux. Heureusement pour la Standa qui a. Roméo Kouakou. Il va emmener ce ballon, repoussé par Ahmed Touré, le buteur. Ballon chandelle pour les étoiles du Zanzan avec Kaka. Tiekoura qui peut accélérer. Allez, ça va être mis à Silla, mais sorti par le géant, le costaud Kwanda Suleiman. Le Kwanda Suleiman qui avait bien vu la trajectoire de ce ballon-là. Qui fait un dégagement sur son adversaire pour obtenir ce contrôle. Et autre match hein, de cette huitième journée en simultané au stade Robert Champroux, c'est le CO Sport qui pour l'instant est tenu en échec par l'Asila Bangourou 0-0. On joue également la 35e minute là-bas.
contre Joël, qui passera pas. C'est Kwanda qui va sortir pour Samake. On va tenter de lancer Platini. Et nous, on va tenter de lancer le coach caissier sur le banc de l'Istanda. Coach, beaucoup d'actions vont en danger de la part de l'Istanda. Il y a de mauvais choix qui sont faits ce soir. Ouais, beaucoup de mauvais choix, surtout à la finition là-bas. Beaucoup de mauvais choix. Sinon, les enfants sont bien dans le match là. Ils sont bien rentrés. Maintenant, la finition n'est pas bonne. Voilà. Vous avez vu encore beaucoup d'opportunités pour nous ce soir. Merci. Alors que Sida n'aura pas fait le bon geste pour retrouver suite à cette action-là, Tiekoura Koulibaly. Ah ouais, cette passe ratée, hein, encore illustre hein, des problèmes, comme je l'ai dit, des problèmes offensifs de l'Istanda aux abords de la surface et dans la surface de réparation. L'avant-dernière passe, la dernière passe sont vraiment des problèmes que Zakaria Sen devra régler pour que son équipe retrouve le bout de la vie. C'est lui à l'image, Zakaria Sen. J'ai-t-il Zakaria Sen. Sa première sur le banc de touche des étoiles Tizonzon. Mal classé en cette ligue en ivoirienne, en difficulté véritable. Celui qui avait été deux fois champion de Côte d'Ivoire. L'Istanda désormais 12e du championnat ivoirien avec seulement 3 points. Kalou. Ah ouais. Ah, c'est pas fameux hein, pour cette entame de championnat. Non, c'est pas fameux pour une équipe qui a été habituée à flirter avec les sommets de notre championnat. Une saison, un début de saison très difficile. Cette équipe qui a valu son limogeage à Firmin. Firmin quoi. Le Badibagnon peut emmener un bon centre. Ça va revenir à Platini qui va réchauffer. Oui, qui va bien reprendre ce ballon. Il va réchauffer complètement ce ballon. Comme l'a Benyado, l'international togolais qui marque et qui enchaîne avec les jaunes et noirs. Ça fait 2 pour la SEC, 0 pour l'Istanda. Et c'est signé le Platini des jaunes et noirs. Le Platini togolais comme l'a Benyado. Ah oui. Centre de Gaoussou là-bas, Samake Gaoussou du latéral gauche, je crois. Nom de Badier Bagnon qui avait fait un appel dans le dos de la défense. Intelligemment, hein, il voit là-bas Platini qui est seul, mais l'équilibre est parfait. La reprise aussi, il ne laisse aucune chance à Diakité Daouda, le portier de l'Istanda. Alors c'est un but platiniesque. Alors Michel Platini, mais c'est signé de l'international togolais comme l'on a baigné dans, comme Michel Platini. Regardez ce bonheur, ce plaisir de but. Ah oui, équilibre parfait hein, dans ces cas-là. Il faut que le corps soit couché sur le ballon. On voit bien, hein, il a le corps comme ça sur le ballon, ce qui fait que ce ballon-là ne monte pas. Mais au préalable, il faut noter aussi l'intelligence de Badier Bagnon qui voit au deuxième poteau hein, là-bas. Son partenaire qui était seul et qui lui met un ballon parfait dans le timing et la reprise aussi ne l'était pas moins. Quel attaquant ce Comlan Benyadon, il avait marqué de la tête face au FC Sampero en 7e journée. Là il marque une reprise fantastique, une reprise thaumaturgique, une superbe reprise. Ah, oui. Ah, il était belle celle-là. Ah oui, très belle. Très belle parce que c'est pas un geste facile à réaliser. Hein. La plupart des attaquants, ce ballon-là, directement, on l'aurait retrouvé à l'ambassade de France derrière le poteau du gardien. Mais là, voilà, il est bien équilibré, il reprend bien ce ballon-là, poteau rentrant, aucune chance pour Samake d'acquitter Daouda. Alors, Galou, on dira que cette saison, il y a des joueurs de qualité dans le championnat ivoirien. Ah, parce que l'année dernière, on a vu des ballons comme ça, hein, aller dans les airs. Cette saison, on les voit encadrés. Oui, l'année dernière aussi, il y en avait. Mais voilà, ce joueur-là est une vraie valeur ajoutée à notre championnat. On ne le connaissait pas. Il est arrivé avec des qualités de buteur. Je l'ai dit,
le match dernier de la SEC. C'est un joueur qui se déplace très bien, qui est rapide, qui est intelligent, qui a un bon timing sur les ballons aériens et qui n'est pas maladroit des pieds aussi. Alors, si vous nous prenez en marche sur les antennes du groupe Canal, notez que le club le plus titré de Côte d'Ivoire, les jaunes et noirs de la SEC Mimosa en blanc et noir, c'est ce soir. Oui. Champion au titre de Côte d'Ivoire, 25 fois champion du championnat ivoirien, amène 2-0 face à l'Astonda venu de l'est de la Côte d'Ivoire, on dira. Première mi-temps. Nord-est de la Côte d'Ivoire. Oui. Première mi-temps, hein, dominé largement par les Mimos. Et la différence s'est faite voilà, par ces deux nouveaux venus dans notre championnat. Le Togolais Platini et l'Ivoirien Burkinabé Touré. La région du Bantougo qui est endeuillée par le Togolais Platini, mais c'est pas terminé. Il y aura la seconde partie dans quelques minutes seulement. On est à 3 minutes de la pause dans ce match. On va dire bonne première mi-temps des jaunes noirs. Ah oui, on ne s'est pas ennuyé. On va tenter de lancer Ahmed Touré, mais ce sera un ballon trop court. Et Agbenyadan Komlan qui va gagner son duel aérien et bénéficiera aussi de cette faute hein, qui mérite un carton parce que Touré Seydou Ben Amidou est venu pied en avant, on revoit, hein, voilà là, genou en avant et il aurait pu menacer l'intégrité physique de son adversaire. Carton jaune largement mérité pour le défenseur central de l'AS. Très très dangereux ce geste là. On va parler là aussi de frustration. Hein. Voilà, depuis longtemps son équipe ne gagne pas. Et là, ils n'ont rien à se mettre sous la dent sur ce match-là aussi. Voilà, ça peut vite devenir frustrant. Kwanda. Badier. Kwanda, Borambodji. Il est bien passé. Bodji, cette fois-ci, pas. Mais repris par Diomondé, par Badier, en une touche de balle. Ça combine bien, les enfants sont en train de s'amuser, c'est ce qu'on dit. Quand la SEC joue comme ça, la SEC attire le ballon à la tiki-taka. Ah ouais. Et ça les roule. Et voilà, les actionnaires, ils aiment ce football-là. Qui... Ballon inversé par Abeignadan Comblan qui va bien contrôler le ballon. Voici la qualité de Comblan Abeignadan. Toute la splendeur de son talent. Centré par Badier Bagnon, Alexandre Bondi, pardon. Mais pas repris par Foncillo. Ah oui, minutes de temps additionnel. Très très belle phase de jeu de la SEC Mimosa. Et c'est ce football-là que le public ivoirien demande. Un football chatoyant, un beau à voir. Hein. On paye son ticket pour venir voir un spectacle. Le football, c'est comme aller au théâtre. Et quand le spectacle est beau, le public tout de suite s'y reconnaît. Et là, vous êtes dans l'amphithéâtre Canal Plus Sport pour suivre ce match entre la SEC et Tanda parce qu'il y a véritablement du cinéma ici. Ah oui. Avec des acteurs, des artistes véritables. À l'image de Platini, Touré Ahmed, Agbenyadan Komlan. Attention de l'autre côté à Kaïssis Baudelaire. Et Sylla n'ont pas dit leur dernier mot. Oui, ils n'ont pas dit leur dernier mot, mais. Le moins qu'on puisse dire hein, sur cette première mi-temps, c'est que les joueurs du président Kofi Séverin Abramovic n'ont pas pu tenir la dragée face à cette équipe séduisante de la SEC Mimosa, il faut le dire. Donc, voilà, aujourd'hui, sur cette mi-temps-là, la SEC a joué un beau football. Un football qui a longtemps manqué hein, à ce club. Cher de nombreux actionnaires. Ah, c'est pas une très grande ville, hein, la ville de Tanda. Alors qu'on va suivre cette action anti-gui avec Sylla, le bon contre le Sylla. Et c'est dedans. Réduction de la marque. Ah, on l'avait dit à l'instant, Sylla n'a pas dit son dernier mot. Ah, et oui. Il permet à la Tanda de réduire la marque et relancer complètement ce match. C'est pas terminé. Ah oui, à ce moment-là du match, c'était le moment idéal hein, pour. Les joueurs de l'AS Tanda pour revenir au score. On voit cette action de Tegui qui élimine son adversaire. Il met un bon ballon.
contrôle orienté et la frappe enchaînée, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. On a vu de très beaux buts sur cette mi-temps. On revoit là, Tegui qui élimine. Deuxième élimination sur Kouanda, hein, d'un contrôle orienté. Et la frappe enchaînée de l'attaquant. Frappe puissante sous la barre du gardien Sissé Abdou Karim. Très très beau but des joueurs de Kofi Séba. Et c'est fini pour cette première partie entre le champion en titre de Côte d'Ivoire face aux étoiles du Zonzon. 2-1 pour une seconde période qui s'annonce féerique entre les deux clubs. Ah oui. C'est sûr que ça va chauffer en deuxième période. On espère simplement que la deuxième mi-temps sera à la hauteur de cette première mi-temps-là, c'est-à-dire avec des buts, des actions, de belles actions. Et voilà, c'est ce à quoi on peut s'attendre pour cette deuxième mi-temps. Voilà, et ça a été un gros match pour cette première partie entre la Standa et l'équipe de la SEC Mimosa. La cross-concentration, on se parle côté Tanda. De part et d'autre, on se parle, mais on a vu Willy Brito, hein, le capitaine de la Standa tout à l'heure, haranguer ses partenaires, leur parler, leur dire certainement que ce n'est pas fini. Il y a encore 45 minutes et ils pourront revenir. Et grâce Libé, donc, qu'on retrouve juste avant la pause. Oui, on va retrouver Touré Ahmed tout de suite, mon cher Arnold. Touré Ahmed, avantage au score pour vous après cette première période. Ça reflète bien le contenu de votre jeu. Oui, bien sûr, ça reflète bien le contenu du jeu, mais on a bien commencé le jeu. Mais je pense que les dernières minutes, nous avons relâché un peu, mais c'est le foot, ça arrive. Nous ne sommes pas obligés de jouer avec le public, mais je pense que la deuxième mi-temps, on va essayer de faire plus mieux que ça et avoir les 3 points. Alors, première réussite déjà pour Touré Ahmed qui a marqué. Est-ce qu'on va chercher le doublé? Oui, pourquoi pas. En tant qu'un avançant, c'est de marquer. Je ne suis pas à 100%. C'est mon premier match, premier but. C'est un bon point. Ça fait que la pression, la tension, tout ça baisse tranquillement. Mais bon, je dis Dieu merci, j'ai pu réaliser un but. La deuxième mi-temps, je vais essayer de faire plus mieux que ça et avoir un second but, pourquoi pas. Merci. Merci. Ahmed Touré donc qui espère marquer son deuxième but en cette huitième journée du championnat ivoirien, lui qui pose sa première déjà marquée ces temps-ci, qu'on marque la pause, mais attention, ça va chauffer. Tout à l'heure, on vous proposera donc un élément à la mi-temps et juste après ce sera la seconde période entre les étoiles du Zonzon et les champions au titre de Côte d'Ivoire, la SEC Mimosa. A tout de suite. Tu veux que je me retrouve Voilà, merci.
nous sommes toujours en 8e journée de la Ligue 1 ivoirienne ici au stade Félix Sophocle-Boigny entre la SEC et la Standard. 2-1, ça a été une fin de première partie folle tout simplement qui annonce la seconde partie, donc bougez pas. Mais pendant ce temps-là, nous allons vous proposer en jouant à cette pause-là, pause qui nous permet de jeter un regard sur Traoré Issa, formé d'ailleurs à la SEC Mimosa. Oui, un énième joueur hein, formé à l'Académie Mimosifcom. Voilà, c'est aussi le vivier du football ivoirien, il faut le souligner. Traoré Issa, qui évolue à Moussou, c'est dans Petit Poteau. Direction la ville de Grand Bassam, située au sud de la Côte d'Ivoire. Parmi les clubs qu'enregistre l'ancienne capitale ivoirienne, le Moussou FC se démarque avec des joueurs aussi talentueux les uns que les autres. Défenseur dans ce club, le jeune Traoré Issa a toujours été conduit par la voix de son cœur, celle de l'amour pour le football. Humble avec le moral d'acier, le joueur qui auparavant était un ramasseur de balles au stade Robert Champroux de Marcory nous raconte comment tout a commencé. Bon, j'ai commencé le foot au centre de formation de Oza en 2012. En 2012, j'étais à Oza. Et de 2013 à 2015, j'étais à la SEC. Et en 2016, j'ai fait Ivoire Academy en deuxième division. Et cette année-là, 2017, là je suis présentement à Moussou. C'est un prêt de la SEC. Voilà. Donc présentement, je suis là, je compétis avec l'équipe de Moussou FC. À la base même, j'étais gardien de but. C'est au cours des matchs au quartier. Je vois au quartier, là, on peut changer de poste à n'importe quel moment, on peut changer, le gardien devient défenseur, tout ça. Donc j'ai dit non, mais c'est quoi ça, c'est quoi les défenseurs font comme ça là? Donc je sors, je vais être gardien défenseur central. Ce jour-là, je viens, je joue la défense et je joue bien. Donc ceux qui regardaient le match, même, ils étaient contents, ils disaient mais tu es bon derrière. Donc c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à jouer le poste de défenseur central. Traoré Issa s'exprime certes sur le terrain de jeu avec le Moussou FC, mais la SEC Mimosa est le club où le défenseur a connu les premières heures de sa carrière de footballeur. Bon, dans ma carrière, vraiment, les difficultés que j'ai beaucoup rencontrées, ce sont les blessures. Les blessures m'ont beaucoup fatigué. Ça a commencé même à la SEC. Voilà, une année, en 2014, je lui ai monté en pro, je me suis blessé. Donc cela m'a retardé. Donc le temps de me soigner, tout ça, ça m'a éloigné des terrains pendant un bon moment. Donc je me suis rétabli, avec l'aide des médecins là-bas, j'ai repris le jeu. Donc quand ça allait bien, en 2015 là, au Mercato, on m'a fait monter en pro. Voilà, on m'a fait monter en pro, j'ai terminé la saison avec la SEC. Même si le joueur a fini par retrouver le top de sa forme physique à la SEC Mimosa, il quitta le club finalement. En effet, voulant gagner en expérience avec plus de temps de jeu, le défenseur a été prêté au Moussou FC d'un commun accord avec la direction de la SEC Mimosa. Le prêt, c'est moi-même qui ai proposé ça aussi aux dirigeants, aux coachs. Parce qu'en tant que jeune joueur, j'ai besoin de temps de jeu pour pouvoir m'aguerrir, pour avoir de l'expérience. Et le coach lui-même, il était aussi prêt à me proposer ça. Donc de commun accord, on a décidé qu'on fasse le prêt. Je pense que le prêt est bienvenu parce que grâce au prêt, je vais pouvoir avoir de l'expérience. Voilà, je vais pouvoir avoir de l'expérience. Donc, vraiment, j'ai bien pris le prêt. En tout cas, le prêt va vraiment m'aider. Aujourd'hui, au Moussou FC, Traoré Issa fait montre de ses qualités. Qu'en est-il de ses débuts en Ligue 1? Traoré Issa revient sur l'un de ses premiers matchs. Et mes débuts en Ligue 1 ont commencé en 2015. Dans un match face au CEO Sport de San Pedro. Donc c'était un match vers la fin de la saison, je crois. Il fallait qu'on gagne vraiment à tout prix pour essayer d'être africain. Et malheureusement, le match, on a perdu le match 2-0. Mais ce qui m'a vraiment plu dans ces débuts-là, c'est que j'ai vraiment eu l'encouragement du capitaine Akassou. Voilà, Akassou de la SEC. Actuel capitaine même de la SEC, il va vraiment procurer de bons conseils pour pouvoir faire de bons débuts. Voilà, en Ligue 1 quoi. Nous sommes à présent en famille.
chez les Traoré. Elle est la cousine du joueur et ils sont très proches. Son prénom, Farida. En fait, Issa, à la maison, il est très calme, très compréhensif. En fait, on est vraiment très proches. Il ne s'énerve jamais en tant que tel, mais il adore se moquer des gens. Ça, franchement, c'est peut-être son plus grand défaut, en fait. En fait, c'est ce que j'aime beaucoup chez lui. Il reste beaucoup optimiste et s'il a perdu, bah, c'est pas grave, en fait. En fait, un jour, j'étais vraiment mal à cause d'une de mes notes, en fait. Et mes notes s'enchaînaient, j'avais de très mauvaises notes. Et genre, j'étais vraiment, vraiment mal parce que, avec mes parents, c'était pas à la joie. Et genre, en fait, il m'a vraiment beaucoup aidé, il m'a remonté le moral, il m'a dit que c'est pas grave, qu'on échoue, mais on se relève. Donc, c'est depuis ça qu'on est vraiment beaucoup plus proches. Et en fait, je trouve que j'aurai toujours quelqu'un avec qui parler ou à qui me confier, en fait, tant qu'il est là. Avec le Mousse FC, Traoré Issa espère faire une bonne saison. Un challenge qui s'annonce difficile vu les premiers résultats de son équipe en ce début de Ligue 1 ivoirienne. Ah, bel élément. Bel élément avec Traoré Issa, la muraille de Moussou. Ouais. On l'avait dit comme Kolo Touré, formé à l'Académie Mimo Sifkem à Traoré Issa. Allez, on va revenir à notre match ici en plein cœur du plateau à Abidjan, capitale ivoirienne. Entre l'ASEC Mimosa et la Standa, si vous avez manqué la première partie, voici le résumé, les grandes actions, les deux buts de l'ASEC et le but de la Standa. Il faut dire que les jaunes et noirs ont bien négocié cette première partie, mais se sont fait peur, hein, Bonaventure Kalou, en fin de première partie. Ah oui, un but venu d'ailleurs, on l'a pas vu venir d'ailleurs nous-mêmes. D'ailleurs, on parlait d'autre chose, ah oui. Et là, très beau but de la Standa, on va le dire. Voilà, on va le retrouver tout à l'heure, vous l'aurez tout à l'heure, ce résumé entre Tanda et l'ASEC Mimosa. C'est Touré Ahmed qui fait sensation, première titularisation et premier but. Oui, premier but. Je l'ai dit, hein, ce n'est pas un joueur qui va dribbler 2-3 adversaires, mais je pense que devant le but, c'est quelqu'un de très très adroit. Très adroit, donc Touré Ahmed et de l'autre côté, c'est Silla aussi qu'on découvre avec la Standa. On avait dit qu'il n'avait pas dit son dernier mot, qui marque pour Tanda en fin de première partie avec un bon mouvement, le crochet, la frappe ensuite. Oui, il n'avait pas été très 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 heureux sur ses actions, sur ses appels de balle aussi. Il avait été pris à chaque fois hein, à défaut par Kwanda jusqu'à cet éclair là, ce but, contrôle orienté, la frappe enchaînée. Et voilà, très très beau but. Et ça vous a fait penser à quelque chose, à cette feinte de frappe, ce crochet et cette frappe-là, à des buts que vous mettiez, hein, ah, Kalou. Ouais. Ah oui, on va dire que c'était ma spécialité. On les retrouve maintenant avec les images, le centre d'Alex Songbangui pour Ahmed Touré, tout de suite dans les filets, c'est bien cadré, c'est bien emmené. Ah oui, mais le centre, hein, il faut aussi parler du centre parfait d'Angbangui et le timing aussi de Touré pour mettre ce but-là qui nous rappelle que ce joueur-là est vraiment un attaquant de classe. Le centre, il était parfait d'Alexandre Bondy pour Touré Ahmed qui ne s'est pas posé de questions comme Didier Drogba dans les airs. On va loger le ballon dans les filets. Le timing est parfait et la tête aussi est parfaite. La SEC qui va dérouler ensuite. Samaké qui va retrouver Badzie Bagnon dans son couloir. Le centre également parfait. La reprise de Platini. Mais attention, Platini, le Togolais comme Laurent Benyadon qui va transformer cette reprise en but. Ah oui, mais il faut aussi parler du centre de Badier Bagnon. Hein. Très intelligent, il fait un appel là-bas dans le dos du latéral. Et là, il voit que son attaquant est seul. Il lui met une merveille de balle. Mais que dit de l'équilibre de cet attaquant togolais-là, de la frappe aussi. Tout était parfait. C'était un but à la Michel Platini et voilà un but à la Bonaventure Kalou. Ah oui. Le contrôle, en même temps le crochet, enchaîné. Et la frappe tout de suite de Silla, c'était également beau. Ah oui, un geste, hein, il ne se pose pas de questions. Contrôle tout de suite, contrôle orienté pour se mettre dans la bonne marche. Et là, la frappe sans se poser de questions, c'est ça aussi un grand buteur. Et c'est ainsi que se résume cette première partie ici au stade Félix Folboigny, en attendant la 9e et la 10e, disons tout simplement qu'on aura droit à une seconde partie alléchante. Bonaventure Kalou, 2-1 seul score. Tanda voudra revenir à la marque. La SEC voudra gagner pour se conforter en tant que leader. Le moins qu'on puisse espérer, c'est d'avoir une deuxième mi-temps au-dessus de la première.
Allez, Ras Libé, on la retrouve tout de suite à la sortie des vestiaires, juste avant la Seagull Party, que je sais, vous attendez bien sûr. Avec l'auteur de la réduction du score pour l'Islanda, alors, à 2-1, le match est relancé d'une certaine façon. Oui, le match est relancé. À la première mi-temps, on a tout donné. À la seconde mi-temps, on va tout donner pour retirer le but et marquer le second but. Vous pensez que tout est encore possible, une victoire est possible? Oui. C'est le football, hein. Donc on croit toujours. Merci. Au revoir. C'est le buteur de l'Astanda, Silla, le jeune Silla. Oui, on peut pas non plus lui en vouloir d'être optimiste. Marquer comme ça dans les arrêts du jeu, ça, voilà, ça donne un boost au moral. Et voilà. Ouais, croyez-moi, il a moins de 18 ans, Silla. Et il est venu de la FAD d'Abidjan, il avait été révélé la saison dernière, Sidiki Silla, jeune joueur de moins de 18 ans seulement. Ah oui, ça montre aussi que les entraîneurs ivoiriens donnent leur chance aux jeunes joueurs et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'à cet âge-là, on peut être un acteur important du championnat ivoirien et un élément important de son équipe. Ça va être un autre match, ça va être une seconde partie très très engagée, c'est sûr, entre Tanda et la SEC Mimosa. Oui, on espère en tout cas qu'elle soit au moins cette deuxième mi-temps-là à la hauteur de la première, parce qu'on ne s'est pas du tout ennuyé. Il y avait du jeu, il y avait des buts, il y avait de l'engagement et c'est tous les ingrédients pour faire un bon match de football étaient réunis. Donc, voilà. Et c'est parti pour la seconde période entre les champions titre de Côte d'Ivoire et les étoiles du Zonzon. En véritable difficulté dans ce championnat et qui compte seulement 3 points jusque-là. Et voudront forcément à revenir d'abord à la marque avant de penser à une victoire. Oui, déjà, pour eux, le plus important, c'est de revenir à la marque. Ils ont réussi à réduire la marque juste avant la mi-temps. Maintenant, le plus dur, c'est de revenir à 2-2 et pourquoi pas prendre l'avantage. Attention, il y a une faute qui sera peut-être signalée, mais c'est plutôt une position de hors-jeu de Sidiki Silla, le jeune attaquant. Ah oui, Kwame Romeo qui s'était empalé sur le défenseur de la SEC Mimosa, il n'y avait absolument pas. Fonsigno, il ne passera pas, ballon perdu et bien repris par Aka qui lui tente de passer et Badier va tout simplement bien se coucher. Ouais. Qui montre aussi qu'à part être un bon manieur du ballon, il sait défendre. On a retrouvé le capitaine Brito Dagou, jeune international ivoirien, pour TBI face à Samake. On peut revenir à Aka. Ballon levé un peu aussi là, attention. Mais Barizi était là. Andao Lamine va s'imposer pour Badier, pour Andao. Ensuite, Diomandé. La SEC qui s'en sort bien. Oui, qui s'en sort bien grâce à la technique de ces milieux de terrain que sont Badier et ce numéro 15 là, Diomandé Ahmed. Andao qui va un peu hésiter, Andao, avant finalement de retrouver Konda. La poitrine d'Ahmed dans les airs. Bien joué avec Fonsignon qui va piquer pour Ahmed. Oui, Ahmed Touré, pardon. Ça a été intercepté par Brito Dagou. Bien vu. Ça avait été intelligemment joué par Fonsignon. Ce petit ballon piqué comme ça dans le dos de la défense pour permettre à son attaquant d'aller sur. Samaki pour le centre à destination de Touré Ahmed. Et il va frapper, mais il va tenter le crochet. Il avait l'opportunité de frapper Ahmed Touré, mais il a essayé en dribble. Il a manqué de vivacité sur cette action-là. Il a lui-même concédé tout à l'heure. Il n'est pas encore à 100% de ses capacités physiques. C'est son premier match. Il faudra lui laisser du temps. Il a commencé la préparation physique à Solbeni il y a de cela 2 semaines.
deux semaines seulement de préparation et il est déjà dans le banc, dans le match, en compétition. Alors qu'on peut accélérer avec encore un coup si Joël Porcila, sorti par Kwanda Suleiman. Badie Bagnon face à Brito Dagou. Il va bien se retourner, Badie, et tenter de sauver le ballon. Ça sortira finalement. Aïe, il n'y avait pas. Le ballon n'était pas complètement sorti. D'où la colère du banc de touche, la colère d'Amani Yao. On revoit, hein. Le ballon n'était pas du tout sorti. Mauvaise appréciation de l'arbitre de touche. Ils avaient raison, hein. les Bimo, les actionnaires, les supporters de la SEC Mimosa donc, qui râlaient, pas contents du tout, hein, de la décision de monsieur assis. Ça peut arriver. Hein. Oui, ça peut arriver. Il faut, voilà, c'est humain de pouvoir se tromper. Donc voilà. Parisi. Ballon bien sorti pour Foncinio. Avec. Ataou Lamine qui va tenter d'inverser pour Alexandre Bongui. C'est trop long. Et Tiekoura va bien. Intelligemment, hein, on va dire intelligemment, il laisse sortir ce ballon. Alors, quelle attitude doit avoir Tanda? Est-ce qu'il faut foncer? Parce que là, il n'y a que 3 points. Ah oui, je pense qu'il faut qu'ils mettent toute leur énergie au niveau offensif pour pouvoir déjà revenir au score et ensuite voilà, voir s'il y a possibilité de pouvoir gagner ce match-là. Tikoura qui va envoyer en centre pour Sidi Kissila, mais c'est sorti par Kwanda Suleiman. Voilà comment ils peuvent être dangereux, les joueurs de Tanda. Ah oui, dans le dos du latéral Ngwangi. Et tout de suite le centre Oui, Tadabou, c'est sûr qu'il va frapper. Et ça va être encore contré, mais Ngoran Kwasi Joël. La frappe de Joël qui va être bien captée par Sissi Abdoul Karim. Le danger n'est pas loin. Le danger n'est pas loin. Il y a beaucoup de plus en plus d'espace d'un côté comme de l'autre. Et là, voilà, les joueurs de l'AS Tanda prennent beaucoup plus d'initiative parce que ce but-là, avant la mi-temps, leur a fait du bien. Et Platini qui garde bien le ballon. Ah, lui, il est aisé. Hein. Intelligemment. Hein. Il garde ce ballon-là pour. Le ballon levé pour Touré Amel. Position de hors-jeu. Heureusement pour la défense de l'AS Tanda qu'il était bien pris par le piège. On revoit. Hein. Oui. Il était là. Il était. Il était dedans. Il était. Et très bien jugé. Hein, la part de la vidéo. Il était bien placé. Dao qui a pressé. Brito va revenir derrière avec Kaka. Bordia quitté. Brito. On cherche un partenaire. On a retrouvé tout de suite Angoran. Ballon levé à destination de. Le Tiegei, Abdoul Karim est sorti en catastrophe pour sauver sa défense. Il y avait le danger, il avait senti. Ouais, très bonne lecture du jeu hein, de la part du gardien. Il a vu que sa défense était battue. Il est prompt à sortir sur ce ballon-là et le mettre en touche. La touche des étoiles. Bien retourné. Il va foncer Ngoran dans la surface. Ngoran. Le ballon sera sorti par Barisi. Ah, ils ne sont pas très, très habiles hein, dans la surface de réparation. Ces joueurs de Tanda, c'est là que ça pêche un peu hein, ah oui. À Kalou. Oui, on revoit une hein, très belle action de ce numéro 28 Ngoran qui rentre dans la surface. Le ballon revient. Et là, il y a une faute sur. Oui, dans la surface de réparation, il faut beaucoup plus voilà, de. La pression d'Ahmed Touré, mais le ballon bien sorti par Diakité. Il faut beaucoup de justesse dans les passes, dans les dribbles. Malheureusement, c'est ce qui manque pour l'instant à l'AS Tanda en dehors de ce but magnifique qu'ils ont marqué. Alors quand on prépare un changement, hein, dites-nous
Confirmez-nous, grâce Libé, côté à Sek Mimosa. Eh oui, mon cher Arnold, Issa Sanogo va bientôt entrer et Coach Fabrice, il va remplacer qui? Ndao Mohamed Lamine, il remplace Ndao Mohamed Lamine. Voilà, Ndao Mohamed Lamine qui va céder sa place alors que Touré Ahmed va tenter de retrouver Badie Bagnon, une touche de balle. Ouais. C'est pas très bien joué. Il ne prend pas de risque, hein, Touré Ahmed, alors qu'il a des opportunités. Non, du tout. Mais je pense que voilà, physiquement il n'est pas encore au maximum de sa forme. Donc dans ces cas-là, on essaie de jouer juste, de ne pas prendre des risques en dribblant. C'est la meilleure chose à faire au risque de se blesser. Angbongi avec Kandao pour l'un de ses derniers ballons. On a trouvé Agbenyadan, Platini qui a levé la tête, le crochet, il est passé Platini un peu avec difficulté, mais il va bien garder le ballon. Ah ouais. Et retrouver Ambodji. Alex pour Diomandé. Je pense que là, il fallait se retourner maintenant, Diomandé, et pourquoi pas quitter le côté qui était ouais, enclavé. Le côté en général, hein, quand on revoit, il réussit à reprendre ce ballon-là alors que tout le monde pensait qu'il l'avait perdu. Oui, suit l'action de Diomandé Ahmed tout à l'heure. Quand le ballon vient de la gauche, il faut essayer d'aérer le jeu sur le côté droit. Ça, c'est la base même. C'est des choses basiques dans le football. C'est clair. Voilà. Ballon à destination de Silla face à Baresi. Est-ce que la jeunesse prendra le dessus face à l'expérience de Baresi? Baresi toujours en difficulté. Le ballon sortira en corner. On va dire petit bénéfice pour la jeunesse. Ah oui, mais Baresi, il aurait dû, hein, il était le premier sur ce ballon-là. Et quand on voit qu'on est pressé par l'attaquant, là, soit on joue avec son gardien ou on revient et on met ce ballon-là en touche. Malheureusement, il a voulu la garder. À la pression, hein, payante. Ah oui. Du jeune Sidik ici, là. Oui, qui a cru jusqu'au bout. Le centre. Sorti par Ahmed Touré, l'attaquant, venu chercher le ballon. Ah oui, venu le défendre. Et en général, on met comme ça l'attaquant sur le défenseur central parce que c'est les deux à avoir le meilleur jeu de tête dans l'équipe. Ballon perdu par les étoiles du Zanzan, repris par Foncilio qui peut accélérer. Foncilio, ça va partir face à Brito. Foncilio, il va fixer Brito. Encore une fois, il va travailler sur son côté. Il est passé Foncilio. Le centre de Foncilio. Et ça va être capté par la défense des étoiles du Zanzan. Voilà, comment est-ce qu'il est dangereux, Foncilio? Il avait donné le tournis, hein, à Brito Willy, qui est un sacré client aussi. Donc voilà, ça montre. Foncilio qui va mettre la pression à Brito Willy. Sacré client, vous avez dit. Ouais. Ah, quelle difficulté, hein, pour lui, Brito, face à Foncilio. Et c'est pas loin d'être. Enfin, c'est loin d'être terminé pour lui. Abondi. Patier. Avec Foncilio. Pour Ahmed Touré. La protection de l'Ivoire au Burkinabé. Il peut retrouver le Togolé. Pour Badie Bagnon dans le petit trou. Avec Abondi qui peut centrer. Il n'y aura personne devant le but. Des jaunes et noirs. Mais c'est pas fini, Ndao Lamine va envoyer un autre centre, loin, qui ne donnera rien. Même si ce sera Platini qui va lui aussi chercher à travailler. Et trouver Diomandé. La frappe lointaine de Diomandé, contrée par la défense de Tonda. Et Silla qui peut fixer toute la défense de la SEC. Ah ouais. Pour bénéficier d'un coup franc. Intelligemment joué, hein, de la part de Silla, il a bien vu qu'il était seul là-bas. Et là, il revient et la faute, elle est nette de Diomandé. Voici le remplacement annoncé sur le banc de touche. C'est l'ancien joueur de l'Afrique Espoir d'Abidjan, Ndao Mohamed Lamine, qui aura été juste, hein, dans son poste de sentinelle. Ah oui, il aura joué juste. Il aura joué juste, juste faire ce qu'on lui demandait, récupérer les ballons, jouer juste sur le partenaire en face, sans prendre de risques. Voilà. Encore un
le centre de Nesta, passera pas. Fonsigno aura du mal à sortir ce ballon. Encore Ngoran. Pour Nesta qui va frapper de loin et tenter comme ça quelque chose, mais c'est pas très très. Non, c'était pas la meilleure chose à faire. Il aurait dû, sur cette action-là, mettre un ballon dans la surface. On revoit un Fonsigno. Crochet intérieur-extérieur qui donnait le tournis là-bas à Brito Willy. Très très bien joué. La part du jeune attaquant. Alors que Tanda aussi prépare un autre, enfin un changement. Parce que l'attaquant de la SEC, Touré Ahmed, se tord de douleur dans le rond-point central. À mon avis, il va être fatigué, Touré Ahmed. Oui, ouais. Lui qui n'a pas bénéficié de la même préparation physique que ses partenaires. Alors Arnaud, la question, ne serait-ce pas opportun en ce moment-là du match de le sortir si tel est qu'il n'a pas une préparation physique. Voilà, il y a le défenseur de l'AS Standard qui lui marche évidemment sur le tendon d'Achille. Mais en ce moment-là du match, ne serait-ce pas opportun pour Amani Yao de le garder, hein, parce que là, pour moi, s'il n'est pas à 100% physiquement, comme il a dit lui-même, il y a un risque de se blesser en ce moment-là du match entre la 59e minute et la 80e minute. C'est là où on est le plus fatigué. Et je pense que il y a des joutes beaucoup plus importantes qui arrivent pour la SEC Mimosa et ce serait le moment de. C'est pas le moment de perdre des éléments importants. Allez, dites-nous, on prépare l'entrée de Kwame Nguesson, Guilangri, Grace Libé, vous le confirmez? Oui, il va remplacer Ngoran Kwasi, Joël. On va apporter du 109 chez les étoiles du Zanzan parce que on n'est pas assez dangereux pour revenir à la marque avec ce qu'on voit en cette entame de seconde partie. Oui. Voici le remplacement annoncé. Kwame Guilangri qui va entrer en lieu place de. Ah oui, c'est. Pour épauler le jeune Sila Sidiki qui est très seul là-bas. Alors que les Solinois tiennent le ballon par Baresi, ancien capitaine de Imboria Athletic Club. Diomandé, heureusement, va sauver les Solinois. Badier Bagnon va tenter d'orienter avec Ahmed Touré. Mauvais ballon de Badier. Sorti par la défense de Tanda. Pas comme Kwasi avec Brito. Contrôle orienté parfait. Et le sauvetage de Fonsigno comme un défenseur. Oui, Fonsigno qui montre sur cette occasion, sur cette action-là, qu'il ne sait pas que jouer offensivement. Hein. Il tente défensivement, il le veut. Il peut aussi faire des tacles. Minute ici au stade Félix Sophon-Boigny, 8e journée de Ligue 1 de Côte d'Ivoire, 8e journée marquée surtout par la grosse performance du Sporting Club des Gagnois qui a gagné 4 buts à 2, c'était hier, face à l'Afrique Castor d'Abidjan. Oui, très 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 belle performance hein, de cette équipe du Sporting Club des Gagnois. Alors que Fonsigno va tenter de fixer Silla. Il est passé pour Badier qui peut revenir sur Samakesekou. Alors que Sissé, enfin Silla va écoper d'un carton jaune sur une faute presque inutile. Alors qu'il y a eu un changement de système, hein, le nouvel entrant Kwame, le numéro 24, a pris la place au niveau de la pointe de l'attaque de Silla Sidiki qui s'est déporté sur le côté droit et Kwame Roméo. Est rentré dans l'axe. Ah oui. Tactiquement, c'est bien vu. Bonaventure Kalou. Ah, il faut préciser que Silla, c'était dans le couloir droit qu'il évoluait hein, quand il était l'année dernière à la FAD Abidjan. Oui. Quand on l'a découvert à la FAD Abidjan pour sa première saison dans l'élite du football ivoirien en seconde partie de championnat. Et donc, il retrouve son poste de prédilection. Tout à fait.
Sanogo Issa, il avait marqué comme ça les coups francs avec la Standa, son ancienne équipe. Celle qu'il a en face de lui, cette soirée, Sanogo, il va frapper Sanogo. Il y avait de la puissance dans ce ballon qui a été pourtant sorti par Brito. Elle partait bien hein, cette balle-là, il y avait des joueurs de la SEC là-bas qui avaient fait le déplacement et ça aurait pu être dangereux pour le gardien. Ah, il est là. Bon, c'est Aristide que vous avez aperçu dans les... Oui, il est du stade de Félix Faut-de-Bouigny. Toujours parmi nous, on va dire. Heureusement parmi nous. En attendant sûrement, soit qu'il retourne avec son club égyptien ou qu'il résilie son contrat et qu'il revienne à la SEC. Ah ouais, il s'entraîne actuellement à la SEC Mimosa, mais il est annoncé en Turquie, il est annoncé en Grèce. Aristide Boncé. Alors, on attend de voir la suite de l'histoire Boncé Panga, comme on le surnomme. L'attaquant Bongé, l'international burkinabé. Mais de fortes probabilités l'annonce à la SEC Mimosa. Ce ne serait pas plus mal. Mais nous, on a retrouvé Ndao Lamine. Ndao, votre adversaire est venu dans cette première, seconde période avec beaucoup plus d'un bon point. Malheureusement, il y a de la malchance qui vous arrange quand même. Oui, c'est vrai. Ils sont sur nous actuellement. Je crois qu'on les laisse jouer et on attend dans la deuxième ligne de notre camp pour récupérer le ballon et pour attaquer vite. Et vous pensez que c'est la solution pour maintenir ce score? Ouais, je crois. Parce que ils ont le ballon à chaque moment, donc c'est difficile pour nous. Donc on est obligé de les attendre et récupérer le ballon et aller en contre-attaque. Merci. Issa Sanogo qui réagit bien. Oui, ça montre bien que ce qu'on entrevoyait tout à l'heure, la SEC a décidé de procéder par contre. Nesta pour un centre, sorti par Kwanda Suleiman. La tête de Aka. Pas comme toi aussi qui peut revenir. Aka. On va retrouver Tiekura dans le couloir gauche. Le centre de Tiekura, attention, si c'est, ça va passer à loin des cages. Ah oui, c'était très très mal joué hein, de la part de Tiekura là-bas. Non, Tiekura avait fait le dédoublement. Malheureusement, il n'a pas été servi par son partenaire qui a choisi plutôt l'option du centre. Mais très très mal ajusté. Long ballon d'os ici, Abdul Karim. Et Fonsigno, avec un peu de chance, va fixer maintenant Brito. Fonsigno, encore une fois, il est passé Fonsigno dans la surface. Fonsigno, et c'est dedans! Quel but de Fonsigno! Comme Gervinho, l'international ivoirien, le jeune international ivoirien, va marquer encore dans son match, avec certes un peu de chance, mais sa vitesse, sa vivacité, sa sagacité permettra à la SEC Mimosa de mener 3 buts à 1 face à la Standa. C'est signé Kwame Alphonse alias Fonsigno. Ah oui, on avait tous pensé qu'il avait perdu ce ballon-là. On revoit, hein. Voilà. Il est en duel là-bas, il gagne son duel, il part dans une chevauchée dont lui seul a le secret. On a pensé un seul instant qu'il allait s'appuyer sur son attaquant. Il ne le fait pas. On a pensé encore qu'il avait perdu ce ballon-là. Mais sa vivacité hein, et sa fougue font que sa jeunesse aussi font qu'il va jusqu'au bout pour mettre ce pointu-là dans le petit filet de Diakité. Comme son grand frère, comme Gervinho. C'est un but qui nous fait penser vraiment à un Côte d'Ivoire Mali en 2012. Gervinho était allé comme ça tout seul pour mettre un but. Et là, c'est son petit frère Fonsigno qui nous fait un enchaînement incroyable. Double contact, dribble enchaîné, accélération, vitesse, tout y était. On était prêt à lui tomber dessus, à lui dire, mais passe le ballon à ton partenaire qui est juste à côté de toi. Mais voilà, quand on est aussi vif, quand on est aussi rapide, on peut se permettre ce genre d'action et aller jusqu'au bout. Ah, c'est un but, hein, Bonaventure Kalou qui met à l'abri
à part l'instant les jaunes et noirs, parce qu'on est presque à la 70e minute, 3 buts à 1, c'est sur, bien négocié. Sur ce qui nous a été donné de voir jusqu'à cet instant-là du match, le moins qu'on, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut conclure après cette réalisation de Fonsigno, c'est que voilà, c'est presque mission impossible hein, pour l'AS Standard après ce troisième but. Alors que l'AS Standard prépare un autre changement. Ce sera l'entrée de Sila Ibrahim tout à l'heure. On va le faire maintenant, ce changement-là, l'entrée de Sila Ibrahim. À partir du 109, mais jusque-là, ça n'a pas suffi, ça n'aura pas suffi face au champion en titre, qui après 3 buts peut souffler, on dira, dans ce match. Ah oui, parce qu'il y a eu, après le but, la réduction du score de l'AS Standard, il y a eu une période de flottement du côté de la défense Mimosa. Mais là, ce troisième but-là, les met un temps soit peu à l'abri. Voici l'entrée de Sila Ibrahim en lieu place de Kouadio. Kouadio, pas comme Kouassi, qui va sortir, qu'on n'a pas vraiment vu, qui avait fait une bonne première partie en tant que milieu à défensif chez les Étoiles du Zonzon, mais qui en seconde partie, on a moins vu. Ah oui, il a disparu hein, au fil de la rencontre. Voici encore le danger, Fonsigno qui menace Brito Dagu. Heureusement que la défense des Étoiles va bien s'en sortir sur ce coup. Ah oui, il ne lâche rien, il a perdu le ballon, il revient gêner la relance du défenseur de l'AS Standard, en l'occurrence celle de Tchegui. Voilà, il est applaudi par le banc de la SEC Mimosa, à raison, on va dire. Le match est en train de s'enflammer au fur et à mesure de son évolution. Et Fonsigno se met en évidence. De temps à autre. Également par Platini. Ahmed Touré, c'était en première partie. On dira belle équipe de la SEC quand même hein, cette saison. Ouais. Sila pour le centre, si c'est Abdoul Karim a bien lu la trajectoire du ballon et va se faire un petit plaisir comme un chat, comme on l'appelle lui, le chat de la SEC Mimosa va laisser le ballon sortir. Ouais, mais très bien joué hein, de la part de Sila Sidiki, mais qui rate complètement son centre après. Toujours 0-0 du côté du stade Robert Chancou de Marcoury entre le COI et l'Asila Bangourou. 70e minute à ce niveau. C'est oui en difficulté, hein. Pas de victoire pour le jouer en cette entame de championnat. Ah ouais. Au même titre que l'AS Standard, hein, on va dire que ces équipes-là qui avaient mis à mal l'hégémonie des clubs d'Abidjan sur le football ivoirien rentrent dans l'air. Voilà qui est clair. Voilà. Parce qu'ils avaient dominé le championnat entre 2011 et 2014. Le COI trois fois champion de Côte d'Ivoire. Ensuite, la Standard deux fois champion de Côte d'Ivoire. Le titre s'était à déplacer dans l'intérieur du pays ivoirien, à l'intérieur du pays, je dirais, ouais. À San Pedro, dans le sud-ouest. Arnold, la question c'est qu'est-ce qui explique le fait que ces équipes de l'intérieur, après des sacres, n'arrivent pas à enchaîner? Le réveil peut-être des équipes de. C'est aussi simple que ça. Question. Je pense que c'est une question d'organisation hein, pour ma part. Oui, question voilà. Organisationnelle. Voilà. Parce qu'après, il faut vraiment avoir des structures, des infrastructures, bases. Des bases. Et ce qui n'existe pas à l'intérieur. Pour tenir hein, sur la durée. C'est clair. Ahmed Touré, qui va lui aussi accélérer. Et retrouver Fonsigno qui va encore fixer Brito
Foncinho, il va passer la main de Brito, il n'y aura pas de coup franc signalé. Il y avait pourtant bel et bien. En fait, Foncinho qui martyrise hein, cette défense-là de l'AS Standard. Et on va encore lui remettre le ballon. Ah allez, ouais. Monsieur, continuez votre show. Allez-y, démontrez-nous quelque chose. Mais là, il va lâcher le ballon. Intelligemment, oui. Samaké pour un centre. Ahmed Touré est là, il va un peu hésiter, Ahmed Touré. Il m'a l'air d'être fatigué. Ah oui. Là, il est pas en train de, il est même plus en train de presser, il est KO. Il est carrément lessivé. Il n'a que, pour moi, hein, il n'a que 60 minutes dans les jambes. Il y avait pourtant l'avantage pour Ahmed Hervé Diomondé. C'est plutôt une faute contre Ahmed Diomondé. Hein. Ah oui, c'est lui qui avait retenu hein, le maillot de Nesta. Avant ballon pour le nouvel entrant, Guy Landry. Malheureusement pour lui qu'il est en position de hors-jeu, signalé par le juge assistant. Pas de but, pas de deuxième occasion franche pour Tanda. On revoit. Hein. Voilà, il aurait dû faire un appel plus incurvé au lieu d'aller. On revoit l'action de. Il n'y a pas main. C'est plutôt la cuisse qui a été touchée. Le ballon touche la cuisse de Willy Brito. Mais qu'est-ce qu'il aura été martyrisé? Qu'est-ce qu'il aura souffert dans ce match? Brito Dagou par Foncinho. Ah ouais. Ah ouais, tous les 1 contre 1 hein, ont été à sa défaveur. Alors que c'est un défenseur qui nous a montré de très belles choses. Voilà. Et tenez-vous bien, c'est la première victoire de son histoire. Sa première victoire face à l'AS Standard. Même si c'est pas terminé, on ne joue que la 74e minute. Mais là, la Sec Mimosa et les actionnaires sont en train d'offrir en standing ovation au premier buteur de ce match pour sa première, Ahmed Touré, Livoiro Burkinabé. Ouais. Contrat rempli, on va dire. Bonne aventure, Kalou. Oui, pour un attaquant, ce qu'on demande à un attaquant, c'est d'être de marquer des buts. Il en a marqué un ce soir. Maintenant, au niveau du contenu de son match, on aura ce débat-là un peu plus tard. Il n'est pas encore à 100% de sa forme. Donc voilà. Qui va hésiter un tout petit peu. Et le ballon passera. Ahmed Hervé dans la bataille face à Baudelaire à KS6. Et ça va être coup franc pour les étoiles du Zonzon en cette 75e minute. Pas de solution pour Tanda jusque-là. Non, pas de solution. Voilà, il y a eu une étincelle hein, sur la réduction du score. La belle sortie de Foncinho, Badier, ça ne sortira pas finalement, ça va revenir. Avec les étoiles du Zonzon, ce sera notamment Touré, Seydou qui va foncer. Mais les jaunes et noirs pourront respirer en cette 76e minute. Fin de match difficile pour Tanda qui va procéder en changement. Ce sera Yedan Moussa qui va entrer à la place de AK6. Je pense à Joël. Ah oui, c'est Joël. Porteur du numéro 8. En grand Joël. Ouais, en grand. Voici Joël qui va donc céder sa place. Alors qu'on est entré, hein, Koné Animi, côté ASEC Mimosa, le jeune garçon venu de l'entente sportive de Bangerville. On a sorti un attaquant à l'ASEC pour rentrer en milieu de terrain. Oui. Un attaquant, mais. Voilà, il y a Platini qui prend la place de l'attaquant. Donc on ne perd pas aux chances hein, au niveau de l'attaque Mimosa. Est-ce qu'on ne se dit pas, côté ASEC Mimosa, que le travail est déjà fait, alors il faut maintenant assurer ses bases? Ah oui, honnêtement, 77e minute, sur ce qu'on voit, sur le potentiel offensif de l'AS Standard, il n'y a pas de chance que... Bon, il y a... On est au football, hein, faut pas non plus. Rien n'est fini tant que l'arbitre n'a pas accepté la fin du match. Mais sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on continue de voir, je pense pas que cette équipe-là soit à même de remonter ces deux buts. Et
Pesta pour un centre. Siddiqui ne va pas bien le contrôler. Le corner sera obtenu par les étoiles du Zanzone à moins. Avec Nesta, le nouvel entrant. À l'image de Yedan Moussa. Le centre peut-être de Moussa. Non, il sera trop court. Oui. Une action de Tegui hein, qui, au lieu de centrer ou alors de trouver un partenaire là-bas dans le petit carreau, essaie de retrouver un partenaire, son partenaire qui lui avait fait la passe. Il s'est trop confus pour pouvoir mettre à mal l'arrière-garde de la sécurité. La déviation de Platini, oui, dites-nous, avec Pacom Kouassi, grâce Libé. À 3-1, ça complique les choses pour la Standard. Oui, c'est sûr. À 3-1, ça devient encore plus difficile. À 2-1, on est croyant. Et on prend le troisième but, ça casse un peu le moral de l'équipe. Voilà, bon. On va essayer de faire de l'ambiance pour pouvoir remonter le début. Vous avez eu, il y a eu des remplacements pour la Standard. Vous n'espérez pas un changement de situation? Non. Je pense que c'est normal. S'il y a des gens qui sont fatigués, ceux qui sont sur le banc, qui sont rentrés, ils vont apporter même plus. Je pense bien plus qu'ils sont rentrés, ils sont frais. Donc, je pense qu'ils vont apporter plus à l'équipe pour qu'on puisse remonter le début du reste. Quoi. Voilà. Alors que Tanda a une situation avec Sila Ibrahim qui va peiner à se retourner. Tiekoura, le centre de Tiekoura, s'est complètement dévissé, mal envoyé. Ouais. Alors, même si Tiekoura, l'un de ceux qui ont une meilleure qualité de centre hein, au niveau de l'Est Standard, n'arrive plus à mettre des bons ballons dans la surface de réparation, c'est. Voilà. On dira que c'est. Les carottes sont presque cuites. 80e minute, 10 minutes pour les Genoux pour le champion en titre, pour revenir à sa place de leader qui était occupé provisoirement par à l'équipe de l'AFA d'Abidjan. On est animé, pas encore dans le banc, ici au stade de Félix Houphouët-Boigny, mais qui va peut-être se remettre dans le rythme. Alors que Sila peut contrôler pour les étoiles, la frappe. Ah, il va manquer cette frappe-là lui aussi. Voici toutes les difficultés de la Standard. Voici comment la Standard peine en défense, peine en attaque, pardon. Voilà, on revoit, hein, l'action était belle. Il rentre dans la surface de réparation, mais là, il faut qu'il lève la tête. Il a un partenaire qui vient. Il faut qu'il puisse procéder par combinaison parce que ça s'était refermé devant lui. Malheureusement, hein, c'est l'égoïsme un peu de l'attaquant. Il cherche à mettre un point. Comme la Guignadan, dans ce duel aérien, il ne faut pas compter sur lui. Hein. Ah. Non, mais il en a gagné quelques-uns quand même tout à l'heure. Ah oui, quand même. Une autre faute de Badia Bagnon cette fois-ci. En milieu de terrain. Tiekoura. Moussa pour Tiekoura à nouveau. Avec désormais Seydou Touré. Aka. Tiekei. Pour Moussa. Ça passera pas par Moussa. La récupération de Sanogo pour lancer peut-être Platini. Ouais. Stoppé par les étoiles du Zonzon. C'était très bien vu hein, de la part du milieu de terrain. Notre mauvais ballon de Koné, Animi, qui lui n'est pas encore entré dans le rythme. Ah non, du tout. Sila qui va fixer Barézi. Sila, il est passé, petit contact avec Barézi. Non. Mais pas de penalty. Absolument pas. Absolument pas. Il tente un crampon dans la surface de réparation. Barézi, voilà, qui est juste. Se met juste dans sa course. Met son corps en opposition. Hein. Il n'y a absolument pas faute.
Sanogo. Alors Koné, il tente le petit pont. Cette fois-ci, c'est réussi. Koné qui va frapper. Ah oui, quelle tentative quand même de Koné Animi qui prend les risques et qui se fait crier dessus hein, par Abadio. Non, ben bon, nous sommes à la 83e minute. Il vient de rentrer. Il réussit un petit pont sur son adversaire. Voilà, et derrière, il tente une frappe. Il faut plutôt l'encourager. La récupération de Platini dans la bataille. Sanogo, Badier va lancer. Platini va vite. Il peut faire la différence. Mais Nesta va s'imposer et sortir ce ballon. Fin de match dans une bonne séquence pour la SEC qui mène 3 buts à 1 et qui a en face d'elle une équipe de Tanda pas dangereuse, Kalou. Non. Pas dangereuse. Au niveau offensif, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On revoit la faute hein, de Tchekoura sur Agnelli, la double faute. Elle n'a pas, à part sur le but, hein, sur le but tout à l'heure, il n'y a pas eu d'action véritablement construite dans la zone de vérité de la SEC Mimosa. Donc voilà. Issa Sanogo, Makra face à son ancienne équipe, peut-être, on verra bien. Très bien placé, hein, ce coup franc. Est-ce qu'il va tuer les espoirs de ses anciens partenaires, Issa Sanogo? Il va frapper à sol. Et ça va passer loin du cœur. Oui. Ces coups francs-là, la saison dernière, il les tentait plutôt intérieur du pied. Là, il frappe coup de pied, mais c'est complètement raté. Il les tentait intérieur du pied. Voilà. Entre l'intérieur et. Voilà. Et le plat du pied, le juste au milieu. Juste au milieu, un peu à la Juninho, on va dire. Voilà. Fonsigno qui peut accélérer face à Nesta. Cette fois-ci, c'est pas passé. Mais quel poison il est, Fonsigno. Et qu'est-ce qu'il aura maltraité cette défense? Les étoiles du Zonzon. Il a de l'énergie à revendre. Hein. Chaque fois qu'il a le ballon, il tente une percée, il tente juste des 1 contre 1. Animi par Platini en position de hors-jeu signalé. Avec toutes les difficultés de Tanda. Ouais. À cette fin de match, Platini pour Samake avec Platini à nouveau. Diamandé qui va revenir là-bas où c'est un peu coincé. Et là, il va changer le rythme désormais. Et ce sera bien sorti par Baresi avec Kwanda Suleiman. Dernier changement, jaune et noir. Belém Boukari va rentrer et c'est Badier Bagnon à Nice qui sort. Platini qui va fixer, il est en position de hors-jeu, Platini. Ouais. Et donc signalé. À juste titre. Mais le contrôle, hein. On regarde encore juste pour. Voilà. Merveille de contrôle, hein. Même s'il revenait d'une position de hors-jeu. C'est. Ah oui, c'est un très bon joueur, Platini. Il a tout coupé, hein, Platini. Ouais. Bon, bonne technique. Aisé en attaque, buteur en plus. Ouais. Il a. Voici le changement annoncé à part Grace Ligbé à l'instant. Belém Boukari qui va entrer, l'ancien joueur de d'Ivoire Academy, qui va donc prendre la place de Badier Bagnon à Nice, qui lui aura été aussi important dans ce milieu de terrain, oui. Badier. Ah, oui. Avec beaucoup juste, de passes, beaucoup d'alimentation. Justesse technique, voilà, c'est pas le joueur le plus physique du championnat ivoirien, mais voilà, de l'intelligence, du bon déplacement, de la justesse technique aussi. Celui qu'on surnomme Mesut Ozil, Badier Bagnon, ou Zao Baozang dans son quartier du côté de Yopougon, commune abidjanaise. Amel Hervé avec un forcing qui va sortir le ballon. Ah, il est impressionnant, hein, le jeune garçon de 17 ans, Sidi Kissila. Ouais. Il gêne vraiment, hein, toute la défense de la SEC à lui tout seul. Ah oui, malgré son jeune âge, hein,
il ne se laisse pas impressionner. C'est... Kanda qui va s'imposer avec toute sa puissance. Samaki qui peut accélérer et lancer peut-être Foncinho. C'est ce qu'il faut faire. Foncinho est lancé, mais pas dans le bon sens. Non, c'est... ce serait trop lui demander à la 88e minute de lui mettre un ballon comme ça aussi en profondeur. C'est... voilà. C'est presque impossible à avoir ce genre de ballon. Il n'a d'ailleurs pas eu Sila Siddiqui avec son capitaine Brito. Aurait dû la marque peut-être avant la fin de cette rencontre à la 88e minute, non? Brito Willy qui s'est transformé en milieu de terrain sur cette fin de match. Là, on revoit la charge sur le défenseur central de la SEC, Mimosa Kwanda. Et les jeunes noirs qui sont en train de filer tout droit vers une autre victoire. Après celle face à Bassam, 5-0, celle face à... au stade d'Abidjan, pardon, 5-0. À celle face au FC San Pedro, 1-0, c'est... la Standard qui est en train de passer à la trappe. Ah oui. Foncinho, dans l'un de ses derniers ballons, Belen Boukari, pour son premier lui. La Standard va bien s'en sortir, et va concéder la touche, avec le toucher de Damani Yao. Ah, qui se rappelle de ces années 90. 3 minutes de temps additionnel. Encore 3 minutes pour réduire la marque Hortanda. Le Williamsville Athletic Club dans ce championnat avait en fin de match créé comme ça. Deux fois d'ailleurs. La surprise en égalisant en fin de match. En fin de match. Ouais. Est-ce que ce sera possible pour la Standard? Ce n'est pas la même équipe, ce n'est pas la même physionomie, ce n'est pas le même style. Ah oui, ce n'est pas les mêmes adversaires en face. Attention, Foncinho, le pied trop levé. Bien vu de la part de Monsieur Assi en cette 91e minute bientôt. Ouais. C'est terminé du côté du stade de Robert Champrou de Marquerie, Bonaventure Kalou. Ouais. Pas de but là-bas. Donc, pas de victoire entre le Siway et la Zila Bangourou. 0-0. Et voilà, ça continue la soupe à la grimace pour les Siwayke qui sont toujours. Qui baignent toujours dans les profondeurs du classement. Latini, il l'attend en soutien, le Togolais. Pour grappiller des minutes et enfin fixer la défense de Tanda. Sanogo reviendra derrière. Animi Kone qui ne va pas obtenir la touche alors que Zakaria Sen furieux avec ce qui nous démontre au visage. Il fulmine, on sent qu'il boue à l'intérieur. Voilà, c'est un perfectionniste et voir son équipe comme ça ne pas pouvoir. Le jeune Siddiqui Sida qui va là perdre son duel face au doyen, à l'expérimenté, Barézi, Foncinho peut accélérer pour Samake qui attend en soutien. Il a vu Tomla Benyadan, il est bien lancé Komlo qui va toucher le ballon et c'est Nedo. Oui, Komlo Benyadan qui va signer le quatrième but pour les jaunes et noirs. Komlo Benyadan qui va tuer les espoirs des étoiles du Zonzo. Komlo Benyadan qui va signer définitivement la victoire des jeunes noirs, 4 buts à 1 par la SEC Mimosa et le champion en titre est plus que jamais aux ondes. Ah oui, cette passe en retrait du défenseur de la Standard pour Abeyadan, revoir le centre. On pensait tous qu'il était, voilà, le centre était trop long pour Abeyadan. Malheureusement, le défenseur qui, au lieu de remettre le ballon vers le camp adverse, le remet vers son gardien, mais le ballon est trop court. Et Agbenyadan, d'un toucher de ballon malicieux, comme ça, lobe le gardien, trouver le petit filet adverse. Quel but. Mettre son deuxième but. But de véritable attaquant, comme là, Agbenyadan, qui peut appeler le Togo. Et appeler toute la famille au Togo pour leur dire
Eh ben oui, je suis là à Abidjan et je me porte bien. Ah ouais. Je viens de signer mon but. Très beau but de qui signe son doublé, premier à Grignadan. C'est une très bonne pioche hein, pour la SEC Mimosa, ce joueur-là. Un joueur qui a d'énormes qualités de buteur, d'énormes qualités de footballeur. Au-delà d'être un buteur, il joue très bien au foot, il a une compréhension, une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne. C'est terminé ici au stade Félix Houphouët-Boigny entre le champion en titre et les étoiles à Dijonzon dans les difficultés plus que jamais. Et belle situation, bon match, bon spectacle de la SEC Mimosa qui a cartonné en cette soirée. 4 buts à 1 face aux étoiles du Zonzon. Alors, on m'a dit, hein, les choses se compliquent. Bonaventure Kalou pour les étoiles du Zonzon et les choses se précisent pour la SEC Mimosa. Pour la SEC d'Abidjan, oui. Qui se conforte en tant que leader. En début de match, il y avait une situation qui était claire. Gagner pour l'AS Standard et sorti des meilleurs du football du championnat. Il voit rien. Allez, on l'a tout de suite, Grâce Libé avec le Platini du football africain, comme l'on a Agbenyadan. Auteur d'un doublé à Agbenyadan, c'est à croire que vous êtes assoiffé de but. Oui, vraiment, parce que c'est un match qui est assez ouvert, donc il faut mettre le maximum de but. Donc on l'a fait et c'est bien. Et jusqu'où comptez-vous arrêter personnellement en termes de but? Quel est l'objectif que vous êtes fixé? Combien de buts? Non, pour le moment, c'est le groupe qui compte, c'est l'ensemble. Bon, donc, pour le moment, il n'y a pas de palier, donc on continue pas à travailler pour voir ce que ça va donner après. Et ce bijou de but que vous nous avez offert en première période, à quoi vous pensiez à ce moment précis? Ouais, je pense que j'étais placé au bon moment et le ballon est arrivé. Ce qui m'est venu dans la tête, c'est de tirer au but, j'ai tiré et j'ai eu la chance de marquer. C'est bien. Merci. Merci beaucoup. On retrouve le capitaine de l'AS Standard, si vous permettez, messieurs. Allez-y, capitaine. Rapidement, Grâce Libé. Une autre défaite pour l'AS Standard, malheureusement. Oui, c'est terrible de finir par une lourde défaite. Je pense que c'est la plus lourde depuis le début du championnat. Il n'y a pas d'excuse. En début de match, on essayait de garder le ballon, conserver le ballon, essayer d'accompagner les actions, plus de monde dans la surface de réparation pour pouvoir essayer d'avoir plus d'occasions et de pouvoir vite concrétiser. Et on a été mené 2-0. Juste avant la première mi-temps, on a réussi à marquer un but. Et en deuxième mi-temps, on est revenu un peu plus fort, mais malheureusement, on n'a pas tenu le coup. Un match de football, c'est 90 minutes, soit 95 minutes. En cours de route, on a lâché, on a pris 4 buts. Et c'est 2-0. J'imagine que vous allez vous mettre au labo pour rebondir. Oui, depuis nous sommes au labo et on va continuer dans le travail. On va toujours continuer dans le travail, essayer de travailler un peu plus pour pouvoir essayer de gagner des matchs. Ça. Merci. Merci. Voilà, difficile. Qu'est-ce que c'est difficile? 4 buts à 1 pour les jaunes et noirs face à la Standard qui sont en train de sombrer. Regardez au niveau de cette 8e journée, tous les résultats, les autres résultats bien sûr. Elle aura été très prolifique hein, cette 8e journée, Bonaventure Kalou, ouais. Avec notamment le 4 buts à 2 de l'Africa Sport d'Abidjan, pardon, du Sporting Club des Gagnois, autant pour moi, ouais. Face à l'Africa Sport d'Abidjan. C'était du côté du stade d'Abia Kabona sur la nouvelle pelouse. La nouvelle pelouse. On va dire ouais. Prolifique. Et on rappelle aussi que le WAC est revenu à la marque en fin de match face à l'USC Bassam, 1-1. Et puis 0-0 entre le Seoui et la Zida Bangourou, mesdames, messieurs. On vous dira tout simplement que le leader, c'est la SEC Mimosa qui se conforte. Ce sera l'occasion pour nous d'annoncer la 9e journée et de vous donner rendez-vous par la 10e où il y aura un certain ASEC Africa. Tout à fait. Ce sera chaud bouillant. D'ici là, portez-vous bien. Bougez pas. Restez sur les antennes du groupe Canal. Bye bye.